Voilà, C'est violent ça. Et bienvenue au Social Club. La baisse de ce était un peu violente. Non, bah non, en fait elle n'était pas si violente que ça. Simplement. Hop là. 1, 2, 3. Encore en train de régler mon micro. Un jour je vais arriver à régler mon micro proprement. Quand j'aurai changé de setup. Peut-être. Peut-être, peut-être. Salut lisateur. Salut, salut. Euh... Hop, bah il a pas grand monde pour le moment. Euh, C'est pas très grave, bref, euh, si ça se connecte doucement, salut Bit. Côte, Mr. T, hola, qu'est-ce que tu euh, Bienvenue, bienvenue, et eh bien, bienvenue à toi, Mayoche. On s'est croisé, euh, je t'ai croisé hier sur, euh, sur le stream du Zul, si je ne m'abuse, qui parlait de. Euh, you talk Spanish, oui, <laughs> I do. <laughs> uh, genau, I talk Spanish. Uh, Ouais, 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 enfin, voilà, j'ai aperçu ton pseudo. Bienvenue, euh, Iseniel, le camarade de euh, l'AMHE antifasciste. Que ça fait plaisir de les voir dans le coin. Hop là, et eh ben c'est cool. Il y a un petit, peu, un petit peu, des gens qui arrivent doucement. Bon, je voulais moi faire cette euh, petite émission qui commence à devenir un petit peu régulière sur le fait de débunker, de, dé euh, de travailler sur des euh, sur des trucs d'extrême droite, enfin d'extrême droite. On va dire que, on va encore dire que je, que je suis vilain, que je suis méchant avec les gens, parce que je les, taque, les, 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 les euh, je les affiche d'extrême droite. Non des gens qui ont une rhétorique euh, un petit peu particulière. Et euh, il se trouve que ce week-end, euh, chez Klitsch hier... Ah oui, effectivement, chez Klitsch, c'est possible aussi. oui je SO, enfin voilà, Klitsch, très très bon. Euh... Qui fait du très très bon contenu également. Je suis chez Clitch, je suis chez LantiStream, je suis chez Jacot, je suis chez Usul de temps en temps, je me balade. Et de temps en temps, je fais la propos de mon contenu. Parce que c'est comme ça que ça marche, malheureusement. Il faut bien. Voilà, voilà. As-tu vu ton image utilisée chez le canard réf réfractaire Oui, tout à fait. J'ai vu ça que le canard réfractaire m'avait affiché comme un gros gauchiste. Euh, ce qui est bon, ce qui est assumé. Il hein, n'y a pas de problème. Je l'avais invité. Euh, on avait fait un live avec euh, avec le canard réfractaire. Attends, peut-être calmer le son parce que ça cause derrière. Ça va être chiant ça. Euh, tonton punchliner, gueule de bois chez le chez le label Gurdulu. C'est bon, mangez-en le label Gurdulu. Euh, pou, 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 pou. Oui, donc j'ai vu, euh, oui, c'est dispo en replay, c'est dispo en replay sur ma chaîne, euh, c'est Redif la commande, hop, rediff, non, c'est pas rediff, c'est pas Redif c'est quoi le, j'ai une commande normalement pour ça, voilà, c'est disponible sur la chaîne euh, du... Euh, le social tube sur, euh, sur Youtube alors j'ai vu qu'il y avait un autre social tube qui existait mais il euh, y en a un où vous retrouvez le logo du social club en noir et blanc et euh, sur lequel il y a toutes les redifs enfin pas toutes les redifs mais il y a la plupart des redifs qui sont euh, dignes d'intérêt on va dire euh, des émissions que je fais sur les internes, enfin sur Twitch en tout cas euh, voilà voilà sur cette chaîne YouTube. Donc vous retrouverez le euh, l'entretien que j'ai fait avec... Euh, enfin, la discussion que j'ai eue avec Johan du canard réfractaire. Il y a, ça fait un mois et demi maintenant, où on a parlé de, son, de sa capsule sur le clivage gauche-droite. Et après, on est un petit peu parti. Euh, C'était quoi le son derrière C'était Gueule de bois. Euh, gueule de bois, ça s'écrit comme ça. Se prononce pas. Euh, gueule de bois. Je crois que ça s'écrit comme ça, et c'était Tonton Punchliner. Quoi Ah oui, mais non, je ne peux pas l'envoyer en par, le, par le bot. Je fais des conneries. Voilà. C'était ça. Akab. Euh, et bienvenue, euh, bienvenue à toi, je crois que je t'ai pas salué. Euh, du coup de rien pas de soucis c'est sur le label Gurdulu c'est frais c'est libre de c'est libre de droit téléchargement libre c'est que du... que du bonheur il y a du il, y a, du très... Alors, il y a du son très barré chez Gurdulu mais il y a également des très très bonnes choses genre Tonton Punchliner enfin genre gueule de bois genre qu'est-ce qu'on a d'autre euh... Grand Trou gris euh... on a Ouf, je sais pas j'ai plus, plus tous les noms en tête mais il euh, y a beaucoup de beaucoup de gens bien il y a beaucoup de rap euh, très très engagés et de qualité salut caron bienvenue à toi camarade. Euh, donc, qu'est-ce que je disais Oui, que euh, effectivement, j'ai vu que le canard réfractaire m'avait euh, affiché comme un gros gauchiste dans sa, dans sa dernière capsule à propos de Papacito, qui m'a beaucoup fait marrer en disant que Papa Cito, la, la droite méritait mieux qu'un Papacito. Et euh, clairement, je ne peux que souscrire à ce euh, à, cette, à sa conclusion. Euh, la droite mérite également mieux, transition. Euh, salut Johan <laughs> La droite mérite également mieux, euh, pardon pour le micro qui sature, euh, mérite également mieux qu'un euh, Code réno Code réno donc, qui a été euh, l'objet d'une vidéo, enfin, l'objet, il n'est pas directement l'objet, c'est pas lui l'objet de la vidéo de d'Usul, mes chers contemporains. Euh, pas mes chers contemporains, pardon, mais j'ai ouvert les guillemets, pardon. Euh, C'est parce que euh, Codreno a intitulé sa vidéo « Usul, mon cher contemporain » en réponse à, au format euh, « Mes chers contemporains » que faisait Usul par le passé. Du coup, euh, Usul a fait une vidéo pour, euh, sur ouvrir les guillemets, donc Mediapart, pour parler de... Ce qui se passe un petit peu à l'extrême droite et qui commence à être un petit peu inquiétant, c'est-à-dire que les on, me... on constate euh, et les services de renseignement constatent qu'il euh, y a une grosse montée de la menace euh, d'extrême droite euh, sur les réseaux sociaux, que ça se politise énormément, que ça, euh, ça s'arme, que ça se forme, qu'il y a une, une idéologie qui est très très euh, qui est très très serrée, enfin qui est très très euh, qui est très très, très développée. Du coup, euh, je faisais un petit peu une, une vidéo là-dessus, basée sur, le, euh, sur la vidéo notamment de Papacito et Codreno. Donc, Voilà. Hop un petit peu inquiétante, l'efféminisme. Oui, 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 tout à fait. Oui, non, c'est, non, c'est clairement. Euh, enfin, ils sont clairement, effectivement, comme tu dis, Mayoche, euh, ils sont clairement en roue libre et euh, ça commence à devenir vraiment flippant parce qu'on en est à déjouer on en est encore à déjouer des attentats euh, d'extrême droite où ils sont vraiment en train de s'organiser en groupuscules d'action etc etc et euh, quand on se tient un petit peu au courant de ce qui se passe de ce côté là ça fait flipper, autant il y a quelques, quelques loups solitaires qui, se, qui vont attaquer des mosquées etc etc et on a un peu tendance à passer ça sous les radars en France autant l'ONU s'en inquiète euh, réellement, bonjour à toi Jean-Claude Tergal donc, euh, donc voilà tout ça pour dire, j'ai regardé la vidéo de euh, Code Renault et c'est pas euh, bah du bon n'importe quoi. Euh, mais il y a beaucoup de choses très très intéressantes. Enfin, je, je, je me suis dit ça ferait une bonne base pour dire, bah voilà, ce mec euh, prend une réponse qui lui est faite. Euh, il essaie, enfin, essaye de faire une réponse. Aux critiques qui lui sont faites, et euh, quand on analyse un peu ce qu'il dit, bah euh, on tombe sur, sans, sans trop de surprise, on tombe sur du grand n'importe quoi. Donc euh, j'avais envie de faire ça, de regarder, euh, de reprendre sa vidéo, je l'ai analysée, je l'ai détaillée, j'ai repris un petit peu ce, qui est ce dont il cause, et euh, en essayant de sourcer un peu ses affirmations, et bon, je sais pas, il euh, n'y a pas de surprise, hein, euh, c'est... on tombe rapidement dans le n'importe quoi. À part dans son domaine d'expertise, qui est l'armement, les armes à feu, etc., etc., où là, clairement, il maîtrise son sujet, il n'y a, a pas de débat possible. Sur le reste, c'est. Non. Mais je vais pas me contenter de le dire, je vais également, hop, le montrer. Euh, Qu'est-ce que. Bon, je voulais mettre ça pour la blague, mais c'était pas. Euh... пяп 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 Voilà, donc je voulais débunker ça de manière à petit peu près propre. Donc, on va se taper sa gueule pendant deux heures. Je suis désolé pour celles et ceux euh, qui ont des problèmes avec les armes à feu, qui ont des problèmes avec euh, le, les propos alcoolisés, la psychophobie, la transphobie. Il euh, y a peut-être un peu de validisme et il euh, y a du virilisme plus plus plus. Euh, c'est pour ça que j'ai mis un trigger warning euh, en haut à gauche du, du, de l'écran. Il y a des stickers un peu partout, mais euh, celui-ci, euh, je tenais à le mettre parce que c'est pas forcément des, euh, comment dire, des propos très très safe, on va dire. Voilà voilà. Donc, comme j'essaye de prendre un petit peu soin de mes camarades, je préfère prendre euh, pas de misogynie étonnant... Euh, et eh ben je l'ai pas relevé. Je l'ai pas relevé. Je l'ai peut-être pas vu. Mais euh, ça fait partie. J'ai envie de dire, ça fait partie du pack Ça fait partie du pack de base viriliste, quoi. <laughs> Quand même. Euh, je resterai peut-être, mais pas deux heures. Ouais, ouais, non. Bah après, je fais deux heures. C'est, de toute façon, c'est disponible en, enfin, c'est disponible en replay. Au pire, c'est disponible sur YouTube. C'est juste, voilà, comme je dis, c'est juste moi. C'est juste, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Prendre des vidéos comme ça et euh, salut Marco. Euh, prendre des vidéos de deux heures comme ça et euh, vraiment les analyser. Euh, c'est, euh, c'est un travail que j'aime beaucoup faire. Bienvenue au Social Club Chester. Shinoda. Hop, allez, du coup, on va couper gentiment le son. Salut Ulysse. Bon, J'ai changé mon micro d'endroit de, et c'est pas forcément optimal. Bref, c'est pas grave, c'est encore en réglage. On fait du truc à la zob. C'est sur les internet. Il y a beaucoup d'abonnés de, de ce type. Euh, d'abonnés de quel type Tu parles Mayosh Je suis non, pas oui. sûr que tu... Oh Merci pour la boue euh, dinosaure Je crois que c'est mon premier... C'est mon premier euh, T'es mon premier abonné. En vrai. Euh, ça fait très plaisir. Voilà. Allez Ah il a beaucoup d'abonnés Euh... Que je dise pas de conneries. Que je dise pas de conneries... Non, ça c'est Spotify. Ben, c'est pas du tout ce que je cherche à faire à, à avoir. Euh, tac tac tac, que je dise pas de conneries, je vais aller vérifier. Hop, ouais, alors ne, euh, voilà la, la vidéo que Code Reno il a 196 abonnés, quasiment 300 000. 300 000 abonnés quoi, c'est enfin pour un sujet de niche comme les armes à feu, euh, c'est quand, quand même un joli paquet quoi, c'est quand même un joli paquet. Oui non c'est pas trois personnes effectivement <laughs> c'est pas rien c'est pas trois personnes <laughs> exactement donc voilà 300 000 abonnés euh, enfin quasiment 300 000 abonnés une centaine de vidéos sa dernière vidéo je sais même pas combien euh, combien de vues alors attends il mitraillette quoi Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Euh, 175 000 vues, sa réponse à Usul, il est posté il y a deux jours. Alors, il a un. Comment dire Il a un Telegram sur lequel il est très très actif. Euh, moi, c'est comme ça que je, me, que je me tiens au courant. Parce que euh, toute la sphères, grosso modo, fonctionne pas mal sur Discord et sur Telegram. Enfin, a priori, sur Discord, je suis pas trop sur les Discord de, je suis pas trop en veille sur les Discord. Par contre, sur les, les boucles Telegram, c'est un vrai, euh, c'est un vrai truc, euh, une vraie, comment dire, source d'information pour faire de la veille antifasciste. Et du coup, euh, du coup, c'est assez cool. Il y a comme une rumeur comme quoi, il serait admis chez AstronoGeek qui avait un inversé. Je sais pas du tout, aucune idée. Je sais pas du tout si. Je sais qu'ils ont déjà fait des collabs ensemble vidéo parce que qui est très porté sur les, sur les armes à feu également, euh, ce qui fait que euh, Usul en a parlé. Mais, euh, mais du coup, euh, je ne sais pas du tout si. Euh, puis en même temps, c'est pas mon. Comment dire, c'est pas mon sujet. Euh, je sais qu'ils ont fait des collabs, je sais qu'ils se connaissent, je sais qu'ils discutent entre guillemets ensemble. Euh, mais voilà, moi, mon, mon créneau, c'est vraiment de prendre ce qui est dit dans ces vidéos-là, et enfin ce qui est dit dans leurs vidéos ou dans leurs autres formats, et de l'analyser, de regarder ce qui se ce qui se fait, ce qui se dit, voir un petit peu comment fonctionne leur rhétorique. Euh, mais vraiment, euh, vraiment en prenant des en prenant des cas concrets, en fait ça s'est confirmé dans les dire même. Ah ouais, ok, d'accord. Eh ouais, bah, comme quoi, le monde est petit. Le monde est petit, même si Astronagi revendique ne pas être, comment dire, ne pas, ne pas être politisé. <laughs> Quelqu'un qui se revendique anarchiste, ça fait mal au cul. Bref, allez, on va se, on va se lancer parce qu'il y en a pour 20 minutes et il y a énormément de choses à dire. Bon, il y a Usul, un mec qui bosse pour Mediapart, qui a fait une vidéo sur ma tronche. Pour ceux qui ne connaissent pas, Usul, c'est un trotskiste. Une idéologie inspirée du marxisme, donc du communisme révolutionnaire. Mais lui, il se car. Hop là. Alors, déjà, on attaque sur, bon, Usul, c'est un mec qui bosse chez Mediapart. Bon, c'est peut-être histoire de resituer, je sais pas, hein, mais... C'est euh, la, petite, la petite tech, la petite tech rapide. Caractérise en étant anti-arme. Commencez par rigoler maintenant, sinon vous avez pas fini. Il se caractérise comme étant anti-arme. Personnellement, je ne crois pas. Voilà, je peux me... Je faisais que passer, je regarderai le replay, je pense, juste question. Est-ce que tu comptes faire du Zemmour un jour Ah, ça peut, être, ça peut être un truc intéressant de taper, enfin de taper, d'analyser de, de, ce que dit Zemmour, effectivement. Salut Arek Euh... Oui. <laughs> Astronogeek, je suis anarchiste, les anards, bof! <laughs> nope! Les anarchistes, les anarchistes répondent, répondent lol, j'ai envie de dire. C'est euh, voilà. la réponse des anarchistes. Euh, sans vouloir faire du gatekeeping, sans vouloir faire le garde-barrière de l'anarchie, euh, voilà, on n'est pas tellement d'accord sur, sur la définition du terme anarchiste avec Astronogeek. Bref euh... oui non taper sur... enfin faire analyser Zemmour ça peut être, ça peut être intéressant, faudrait que je trouve un, je trouve un discours euh, un discours de sa part qui ce serait intéressant, euh, faudrait, faudrait que j'ai envie de me, me fader du Zemmour <laughs> mais ce serait intéressant un jour voilà voilà, j'ai d'autres clients pour le moment mais euh, ça va être... ça va probablement tomber un jour ou l'autre donc euh, Usul serait soi-disant anti arme je ne sais absolument pas quand est-ce qu'il a dit ça euh... Ça c'est une jolie une jolie affirmation pas sourcée. Bon, après admettons. Pourquoi pas Bon, vous allez sûrement me faire remarquer que Marx désirait une confiscation des biens de la bourgeoisie pour les redistribuer au peuple. Et... Quel rapport Ceux par les armes. Ce... Alors, il ne le dit pas forcément par les armes. Enfin, euh, je ne suis pas un exégète de Marx. Euh, très, très au fait, mais je ne crois pas... Euh, oui, les discours de Zemmour, c'est parce qu'il manque, effectivement. Je ne crois pas avoir de... Euh, comment dire De texte où Marx appelle explicitement à la prise des armes. Euh, il a même un texte que j'ai que j'ai recherché, que j'ai retrouvé, qu'on entend sur une intro de... Euh, c'est les camarades de... Que je ne dise pas de conneries... Euh... Ah mince. prison capitalisme, un truc comme ça. Non, c'est... Euh... Ah, j'ai plus, le... plus le terme. C'est une intro... Je vais retrouver là, la... Je vais retrouver, je vais retrouver, je vais retrouver ça rapidement. Hop, Sylvain. Voilà sortir du capitalisme qui est devenu sortir du patriarcatalisme euh, qui euh, en intro a une citation qui est sortie de je sais pas quel ouvrage euh, audio en tout cas mais qui chez Marx est issue de la contribution à la critique du droit politique hégélien » en 1844 bon, c'est un truc un peu théorique et c'est dans les premiers euh, dans les premiers écrits de Marx enfin dans les premiers écrits de Marx c'est avant le, euh, le, le, comment dire, le manifeste du Parti communiste, etc., etc. Euh, où Marx dit il est, il est évident que la critique ne saurait remplacer la critique des armes. Donc, déjà, on est, enfin, on est quand même un petit, dans un petit positionnement critique de la part de Marx. Euh, ensuite, il dit la force matérielle ne peut être abattue que par la force matérielle, mais la théorie se change elle aussi en force matérielle dès qu'elle pénètre les masses. C'est euh, une partie de texte qui est super intéressante parce que euh, ça dit, en gros, bah que la théorie, euh, c'est pas juste, entre guillemets, de la branlette intellectuelle, si je peux aussi me passer l'expression, mais euh, c'est aussi une arme au service des masses, au service de la révolution. Et euh, pour contrecarrer un gus comme euh, Codreno qui ne pense que révolution armée au sens euh, arme à feu au sens armes euh, pour enfin arme matérielle, bah ça ça renvoie une critique une critique intéressante et ça donne ça donne un aspect de critique comment dire ça donne un aspect sur la critique théorique et sur la critique des armes et ça donne aussi un point de vue sur l'utilité de la théorie dans, euh, dans la révolution, dans le, dans, dans le phénomène révolutionnaire. Mais lui, béto qu'il est, enfin euh, bas du front qu'il est, plutôt à mon avis, euh, il est il comprend pas la nuance, enfin il voit pas la, il, il voit pas que on peut faire, enfin que la révolution c'est aussi un phénomène de réflexion, c'est aussi un phénomène théorique. Qui n'est du coup pas logique, vu que Usul, c'est un bourgeois qui bosse pour un média subventionné par l'État, qui n'a jamais fait de manutention de sa vie, et qu'il ne fera jamais rien comme révolution avec son clavier. Trois petites choses qui sont rigolotes dans ce passage-là. Euh... C'est un bourgeois. Première nouvelle. Je pense qu'il serait heureux de l'apprendre. Euh... Il n'a jamais fait de, manut de manutention de sa vie. Qu'est-ce qu'on s'en fout Est-ce que ne jamais ne pas faire de manutention, ça veut. Enfin, si tu ne fais pas de manutention, ça veut dire que tu es un bourgeois Je pense qu'il y a des prolos qui ne font pas de manutention. C'est pas un gage de prolétaire de faire de la manute. Hein. Euh, et il ne fera jamais de révolution avec son clavier. Pour en revenir à Marx, euh, et sans, vouloir, sans vouloir donner la même envergure à Usul, euh, Marx a jamais vraiment pris les armes non plus. Et pourtant, et pourtant, j'ai envie de dire, est-ce que pour autant ça disqualifie Marx Je ne sais pas, mais bon, il y a un moment, il euh, faut être un petit, peu, un petit peu cohérent. Et puis le côté, euh, oui, où euh, il bosse pour un média subventionné, alors ça, il l'a corrigé sur sa, comment dire, sur sa vidéo. Euh, j'ai aperçu ça. Non, c'est pas ça que je voulais. Euh, tata hop là. C'était ça. Oui, parce que du coup, j'ai téléchargé la vidéo pour éviter de lui faire des vues pour rien. Parce que bon, il n'en a pas besoin. Euh, Eratom, détail de l'histoire il me semble que depuis peu, Mediapart n'est plus subventionné par l'État. Le mec balance des, des techs comme ça et. Euh, voilà, il ne sait, il, il sait pas trop ce qu'il envoie. Euh, il balance des trucs comme ça au pif et zéro source, zéro travail de. Euh, enfin, je veux dire, à un moment. Euh, après l'argument 2.0 c'est l'argument 2 x 0. 2 .0 2x0. Oui, non mais non mais là on est sur on est sur l'enchaînement de 0 x 0 quoi. C'est euh, c'est assez impressionnant pour le coup en termes de en d'argumentation. Bienvenue au Social Club NTHG. C'est pas UHTG C'est quoi NTHG Je ne comprends pas. <laughs> mais bienvenue à toi quand même. <laughs> Voilà, voilà, voilà. Donc euh, ouais, non, c'est euh, assez rigolo de le, voir, euh, de le voir partir dans des techs comme ça en essayant de le disqualifier de base, en essayant de dire Usul n'est pas un vrai prolétaire. Sur quel, sur quoi tu te bases Sur le fait qu'il bosse pour Mediapart Bah non, désolé, mais les journalistes sont également des prolétaires, notamment les pigistes, euh, qui sont même assez précaires d'ailleurs dans, euh, dans leur domaine. Donc, bref, voilà, voilà. Monsieur, pour monsieur, visiblement, si on n'a si jamais fait de manutention de sa vie, on n'est pas un prolo. Gatekeeping du vrai prolo qui s'y connaît. Euh, NTHG, c'est pour dire. Longfag, c'est mon. <laughs> D'accord. Faire des recherches sur son sujet, pourquoi faire Oui, non, mais clairement, on est, on est clairement là-dessus, quoi. Alors que moi, pour le coup, j'ai regardé ça. Je me suis permis de regarder sa vidéo, alors oui, j'ai un parti pris, etc., etc., c'est assumé, pas de problème. Euh, je dis où je parle. Et euh, je suis allé creuser ces infos. Bah voilà, il y a... on, on fait pas le même taf, visiblement. Lui, il fait de la réaction, de la réaction à la zob, moi je fais plus un travail de. Enfin, sans vouloir parler de travail d'investigation. Je, je fais plus un travail d'honnêteté intellectuelle, on va dire, je pense. Ouais, bon, bah, deux secondes, j'ai à peine commencé. Bon, pour le défendre un peu, pour le fait qu'il bosse effectivement pour l'État, sur le fait que Mediapart a effectivement. Non, il bosse pour l'État. Il bosse pour Mediapart, il bosse pour l'État. Je, 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 Quoi <laughs> Il développe ce point-là, il développe ce point-là après, mais juste, là, on est dans... Enfin, je, je, le, le mec part déjà dans une ambiguïté, euh, ou si on s'arrête là, on se, demande, on se demande où il va, quoi. Effectivement fait la promotion de Macron dès sa candidature, ce qu'il a plus ou moins admis indirectement, il s'est expliqué deux fois. Donc, il reproche à Mediapart d'avoir fait la pub de Macron dès sa candidature. Mediapart a reçu à peu près tous les candidats, enfin, a reçu pas mal de candidats. Ils ont effectivement reçu, ils ont effectivement reçu Macron. Euh, Macron, qui était dans son jeu de séduction, machin, etc., etc., classique, en essayant d'être gentil avec tout le monde et de, 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 de servir, entre guillemets, le public auquel il était, euh, il était confronté. Avec un jeu de complicité comme il, fait, euh, comme il fait très souvent, ce qui lui vaut parfois de se prendre des tartes, mais, euh, mais du coup, pas plus fait de promo, enfin je crois pas qu'il y ait plus de promo, euh, de promo que ça. Pour autant, il dit que, il soutient que euh, Usul aurait, euh, comment dire, aidé Macron à accéder au pouvoir et s'en serait expliqué. Bah, je sais pas trop, mais euh... moi, personnellement, c'est pas du tout l'impression que j'ai, quoi. Le niveau du gars, sérieux, le Mediapart, c'est l'État, mais c'est ça, exactement. Parce que c'est subventionné par l'État, tu comprends, donc c'est l'État. Euh, mec, toi aussi, t'es subventionné. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, toi aussi, es, euh, tu reçois des trucs de l'État, mais gars, c'est. À partir du moment où tu reçois quelque chose de l'État, t'es pas forcément corrompu par l'État. Sinon, dans ces cas-là, bah, tu brûles ta carte vitale et t'arrêtes de, de circuler sur les routes bitumées. Quoi. Je ne sais pas, mais... À un moment, il faut mettre un petit peu les choses en perspective. Bref. On ne va pas commencer à... On, on, on va pas commencer à se fâcher vraiment tout de suite, mais là, déjà, ça part vraiment, vraiment mal. Mediapart égale gauche égale pas facho égale mat Macron. Oui, c'est complètement con. C'est complètement con, mais ça paraît logique. Oui, oui, c'est... Euh... C'est oui, faut juste, euh, faut juste être un peu orienté dans son discours pour, euh, pour, pour en arriver là. Mais bon. Je le suis aussi, on va dire. L'une en expliquant que son boulot consiste avant tout à vendre des articles, et que comme mettre Macron en avant ses vendeurs, l'aider à accéder au pouvoir en parlant de lui constamment, c'était rentable financièrement. Donc, là le mec nous dit Parler de Macron, c'est vendeur, donc on parle de Macron. Parce que c'est rentable financièrement. Encore le truc qui tient vachement la route, c'est euh... autrement dit, il ne faudrait pas en parler. Mais qu qu'est-ce qu que tu fais là Tu parles de Macron, donc euh... c'est pas. Euh... Je, je, je comprends pas. Je comprends pas. Euh, ce qui est débile, parce que oui, Macron est totalement protofacho. Et bienvenue à Semsem. Euh... Même si j'ai cru entendre que ça se prononçait Chemchem euh, sur un autre stream. Euh... Bref, oui, et euh, la vidéo sur laquelle il se base, accessoirement, c'est donc une vidéo de c'est une vidéo qui met en source, enfin euh, en source vite fait, parce qu'il la met pas dans les liens, mais il met juste la, il met juste la miniature. Enfin, euh, le bandeau. Euh, Manuel Macron, bon client ou bon produit? Bah en l'occurrence, euh, c'est une vidéo qu'Uzul a sorti trois euh, jours pardon, après, euh, après les élections donc, euh, élection du 10, et je crois qu'il l'a sorti le 13, un truc comme ça, je ne sais plus, je vais regarder. Euh, Est-ce que je l'ai encore Oui, j'ai le lien là. J'ai le lien là, j'ai le lien là, j'ai le lien ici. Voilà, il avait sorti le 10, le 10 les élections, c'était le, le 7, ou un truc comme ça. Et du coup... Euh, où Usul euh, critique Macron en disant c'est juste un produit en fait euh, il a juste été vendu comme un paquet de lessive c'est plus on est plus dans une critique du euh, comment dire on est plus dans une critique du système médiatique et du système de promotion politique que dans une promotion du candidat Macron à mon avis encore une fois je peux me tromper les collabos islamo-gauchos, gauche. <laughs> joue pas beau, c'est bien connu. Oui, bah oui, bien sûr, évidemment. Toujours, toujours, les, les vilains gauchistes. Voilà, voilà. Hop. Euh, ah bah, genre, elle, elle, elle était là. Oh là. Pardon, les bails. Hop. Donc voilà. Ça, c'est le genre de choses que je mettrai un petit peu, un petit peu en lien. Donc je peux vous mettre la, je peux vous mettre la vidéo en, la vidéo en question dans les, dans le chat. Je sais pas forcément, euh... Super, euh, super intéressant tout de suite. Mais je mettrai ça euh, dans les sources de la Rediff, euh, de la Rediff sur YouTube et euh, dans le, je ferai probablement un thread Twitter avec l'ensemble, l'ensemble des sources dont je me sers pour euh, pour démonter un petit peu cette euh, cette vidéo. Il tente de de le délégitimer usul. Avant de commencer à lui répondre, il a sans doute l'impression que ça donne du, du poids à son propos. Oui, je pense que c'est ça effectivement. C'est on commence, on commence par la dominème. Et après on va essayer d'aller sur le fond. Le problème c'est que sur le enfin déjà sur la Dominem, il n'y a pas grand chose mais sur le fond, le seul point, enfin ce petit spoiler, le seul point où il est vraiment de l'accroche, c'est euh, c'est sur la c'est sur les, sur l'armement quoi. C'est sur le reste euh, le mec le mec est juste il sait pas de quoi il parle. Juste. Je vous laisse aller regarder cette vidéo si vous pensez que j'exagère. Bah, je l'ai regardé. Et en l'occurrence, tu exagères. Et il s'est exprimé une deuxième fois en expliquant qu'il ne travaille pas pour Mediapart par plaisir, mais qu'il est en fait infiltré chez Mediapart pour faire tomber le système. Alors, là, le mec nous dit Pépouze que Usul aurait déclaré qu'il était infiltré chez Mediapart pour faire tomber le système. Et pour ça, pour nous dire ça, il se sert de ça, à savoir psychodé psycho psychodélic, psycho psycho, psycho euh, qui revient. Non mais oui, quel enfer. Euh, voilà, la vidéo commentaire d'une vidéo qui aurait jamais dû arriver d'ailleurs, enfin d'un live qui n'aurait jamais dû qui n'aurait jamais dû arriver. Usul, effectivement avait picolé danny avait pas aurait pas dû le laisser euh, le laisser intervenir et le laisser dériver en live euh, voilà et ça donc la, la, la vidéo de commentaires du truc de fin de soirée machin etc etc ça sert de base pour critiquer Usul. secours le fameux 36, 36 cringe oui tout à fait <laughs> c'était le, le, le... c'était euh, c'était même pas 36 cringe c'était je sais plus euh... mais oui c'était la suite du 36 cringe en fait c'était la, la suite du fait du, du 36 cringe où euh, Usul revenait euh, revenait avec les avec ses camarades de l'époque sur les vidéos 36 15 et euh... et qui du coup euh, bon, il avait, euh, il a repris une bière derrière, machin. Il est arrivé sur le live de Danny il était un peu caisse. C'est des choses qui arrivent. Et euh, le truc, c'est que euh, Danny et ça, c'est un truc je, je trouve ça pas euh, pas propre de la part de Dani Raz euh, l'ont laissé, euh, comment dire, l'ont laissé dériver alors qu'il était passablement bourré. Voilà, voilà, ça ne se fait pas. Concrètement, ça ne se fait pas. À part si on veut tirer sur les, enfin, si on veut, si on veut tirer à balles réelles sur les camarades, ça ne se fait pas. Ce n'est pas correct. Bref, voilà. Oui, l'infiltré qui déclare son plan. Oui, voilà. Tout ça pour dire, voilà, je, je, vais, je vais revenir sur mes pattes. Euh, je vais retomber sur mes pattes. Euh, donc, Code Reynaud parle de, euh, comme quoi Usul aurait dit qu'il était infiltré chez Mediapart, machin, etc., etc. Euh, oui, limite il l'encourage en plus. Euh, C'est complètement f -f faux, euh, puis accessoirement le mec qui est infiltré euh, qui dévoile son plan au, au monde entier, euh, mais qui ne se fait pas virer, hein, évidemment, d'une subtilité sans fond. Bref, on va, on va se, on va quand même ne pas couper la vidéo. Euh, on va quand même se fader ce passage-là qui est pas, euh, qui est pas super. Mais euh, la mais euh, voilà on, derrière je redirigerai vers des sources un petit peu plus honnêtes et un petit peu plus sérieuses que' il acceptait de s'infiltrer de jouer un peu les faux culs, j'imagine dans le milieu de la bourgeoisie qui est le Mediapart pour pouvoir continuer à titiller la bourgeoisie ça c'est psychodélique qu'il dit psychodélique je sais je sais jamais comment on l'appelait psycho-psychodéclique, psychodélic psycho euh, bref donc, ça, c'est l'interprétation. Là, on a l'interprétation de, euh, de Psychodelic qui dit que c'est Usul qui s'infiltre. Est-ce que c'est ce qu'il dit euh, C'est un confus, euh, psycho, psycho, j'ai Sincèrement, Psychodelic, euh, je me suis. Peu pseudo je sais. Enfin, j'ai vraiment du mal avec son pseudo. Euh, je l'ai pas analysé euh, personnellement. Je sais pas le situer. Pour moi, c'est quelqu'un de très confus. C'est quelqu'un de, c'est quelqu'un qui fait du, comment dire. Ouais, il fait du contenu pour rire. Et il fait surtout du contenu euh, apolitique, mais il défend que des gens d'extrême droite ou des gens confus politiquement, des rouges-bruns. Donc bon, j'ai envie de dire. Euh... Enfin, personnellement, je l'ai jamais vu des gens défendre des gens comme Musul, euh, typiquement voilà euh, ou d'autres camarades, camarades de gauche euh, donc pff, ouais, minimum gros confus faudrait que, faudrait, qu faudrait que je me penche dessus mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui travaillent, euh, qui travaillent sur ce gus donc euh, je, chacun son chacun son enfin j'ai pas envie de taper sur les, sur les camarades de, de piquer le boulot des camarades entre guillemets mais euh, pour moi il est, euh, il est bien bien perdu enfin euh, c'est quelqu'un qui fait du c'est quelqu'un qui essaye de faire du buzz en fait c'est surtout ça allez donc, du coup, qu'est-ce que nous dit Usul Bon, il était évidemment complètement bourré ah, quand il a dit ça. Personne ah. ne l'a cru. Hey. Il était bourré. Ah oui, non, on n'a même pas la partie en question. Euh... Pardon, pardon. Euh... Donc, au lieu de cette vidéo-là, on, une... on, peut, on peut aller chercher une autre source qui est... Euh... Non, ça, c'était la vidéo de... Euh... Ça, c'est euh... la vidéo où on retrouve le passage en question. Et là, par contre, il a pas l'air méchant, mais il comprend rien à rien. Ouais, mais il porte quand même, il, te, il, te, il passe quand même les plats à, à certaines personnes, on va dire. Par contre, euh, Jules, il parle de sa démarche dans une autre interview, un petit peu plus sérieuse, un petit peu plus posée. C'est chez, chez, chez les camarades de Kawa TV, et, euh, où il a fait un entretien qui dure 1h20, 1h22, 1h23. Euh, et où il dit que, euh, concrètement, il amène des sujets populaires dans le milieu de Mediapart, qui est un milieu plutôt petite bourgeoisie intellectuelle. On n'est pas dans du bourgeois-bourgeois-bourgeois. Euh, On est dans, dans la petite bourgeoisie intellectuelle, ce qui est complètement différent. Nous, euh, notre boulot, c'est de suivre l'actualité toutes les semaines, tous les jours. Donc, du coup, je fais un travail de vulgarisation. Oh là. Voilà. De l'actualité. Donc, moi j'essaie d'avoir dans la ligne éditoriale une place quand même un petit peu importante pour les problématiques euh, étudiantes, Mais parce que, parce que moi c'est pas moi qui ai l'impression de beaucoup en parler, j'ai plutôt l'impression que euh, les grands médias n'en parlent pas beaucoup. Comme s'ils avaient admis par exemple que la précarité des jeunes en fait c'est un truc normal. Avant j'étais là euh, ouais les journalistes machin et puis bah maintenant euh, j'en fréquente ça m'arrive d'en voir et euh, du coup euh, je comprends mieux en fait les logiques derrière euh, je comprends mieux euh, même les comportements des acteurs euh, parce que je comprends mieux les conditions dans lesquelles ils sont plongés j'ai peut-être nuancé mes critiques là où avant j'étais plus bourrin même de manière générale il y a, y, a, y a quand même de l'éducation à la presse à faire euh, à comment on s'informe et tout je, je pense même que l'école devrait être davantage impliquée là dedans Journaliste, c'est pas speaker. Il faut des journalistes libres de dire non, allez vous faire foutre, je ne travaillerai pas dans ces conditions-là. On parlait tout à l'heure d'un truc tout bête, la hiérarchie de l'information. Bon voilà, si, je ne vais pas, si le met, si je vais pas mettre l'extrait le le en entier, une... c'est un, un extrait qui dure 3 minutes, mais euh, du coup, là, dans cet entretien, Usul explique beaucoup plus sa démarche, et euh, comme je dis, c'est un truc qui dure 1h20, si on a envie de se le fader un petit peu plus sérieusement. Euh, ouais. C'est plus transparent, c'est plus posé, effectivement, il est pas caisse, euh, et il explique que ouais, non, il fait pas, enfin, c'est pas vraiment de l'entrisme, mais euh, c'est, il ramène des sujets plus populaires. Vers le, en fait, il fait une forme de, cour de... Une sorte de courroie de transmission entre le milieu des journalistes et le... un milieu, par exemple, plus étudiant, plus populaire, plus jeune, etc., etc. Parce que c'est son public, effectivement. Et euh... il n'a pas, il a pas pour, enfin, comment dire, son 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 but, c'est pas de renverser la table. C'est euh, un trop, il fait forcément de l'entrisme, j'avoue. <laughs> ouais non il fait un peu ok d'accord il fait un peu d'entrisme mais il fait, il fait de l'entrisme euh, entre guillemets jeune après oui aussi c'est un trop trop donc euh, voilà mais euh, il fait de l'entrisme jeune parmi parmi une rédac de, une rédac de, de, de vieux quoi <laughs> c'est peut-être plus ça je sais pas mais du coup euh, c'est pas exactement le mec qui va euh, qui rentre dans Mediapart pour renverser la table de Mediapart c'est pas du tout le c'est pas du tout son créneau lui il a ses sujets, il est là pour ramener, euh, je crois qu'il le dit dans cet entretien, il est là lui pour faire des, 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 des vidéos où ça va faire 100 000, enfin je, je sais pas 10 000, 10 000, 100 000 vues je dis, je dis des conneries, enfin il va, lui il va faire 100 000 vues de vidéos sur, sur son format, ouvrez les guillemets, alors qu'une vidéo classique de Mediapart type à l'air libre ou autre, ou les enquêtes, elles font 10 000, 30 000, euh, elles tapent pas très très haut quoi, lui il est là pour drainer, son, pour drainer un public plus YouTube, plus vidéo sur euh, sur un truc comme Mediapart et amener euh, amener du fond et amener euh, bah, également des abonnements. Il faut pas se voiler la face parce que c'est un peu le c'est un peu le fond de commerce de de, 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 de Edoui quand même. Bref, tout ça pour dire euh, on n'est pas du tout. Dans le, même, euh, dans le même postulat. Et, 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 et euh, le boulot du Zul, c'est aussi de. Euh, comment dire De réconcilier une partie des prolos et une partie jeunesse des prolos avec une partie de la petite bourgeoisie intellectuelle. C'est ce qu'on appelle, enfin les, les deux ensembles, c'est ce qu'on appelle le bloc, euh, le bloc historique de la gauche. C'est euh, quelque chose qui a été théorisé par, par Antonio Gramsci. Euh, alors je vais pas mettre, je vais pas mettre ce texte-là, mais j'ai gardé de côté, hop, 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 euh, une conférence gesticulée que j'aime beaucoup, qui est, pas très, euh, qui est moins connue que les conférences gesticulées de Franck Lepage. Mais, qui est également un, comment dire, un des enfants de, un des enfants de Franck Lepage, au moins pour le format, pour ce format-là. Euh, c'est, c'est ça ou c'est pas ça? Non, c'est pas ça? C'est ça. Voilà, je cherchais. Hop là, oh là, je me suis, je me suis vachement égaré. Euh, c'est une, une conférence justiculée qui s'appelle une autre histoire des classes sociales. Euh, une conférence justiculée qui est faite. Ouais, elle est super. J'adore. Sincèrement, les, les conférences de d'Anthony Pouliquin sont elles sont absolument énormes. Euh, celle-ci me, celle-ci, elle me, elle me, elle, je, je, elle me fait chialer à chaque fois. Euh, et où euh, justement, il re, il réexplique un petit peu ce que c'est le bloc le bloc historique de la gauche. Ça fait plus de 65 ans qu'il travaille dans sa petite boutique. Pardon, je ne suis pas sur le bon sens, voilà. je ne suis pas sur mon forme, je suis pas sur mon passage. Avant 1960, cette petite bourgeoisie intellectuelle, elle est considérée comme une menace pour le pouvoir dirigeant, pour la bourgeoisie des affaires. Grave. D'ailleurs, lors de l'histoire, lors des quelques moments où la bourgeoisie des affaires a été mise en échec, au moment de la Commune, au moment du Front populaire, à la Libération, cette petite bourgeoisie intellectuelle a clairement été un adversaire pour la bourgeoisie en créant, avec la classe ouvrière, une alliance de classes. Cette alliance de classe que Antonio Gramsci, fondateur du Parti communiste italien, appelait le bloc historique. Le bloc historique, c'est lorsque les deux cœurs sociologiques de la gauche, la petite bourgeoisie intellectuelle et la classe ouvrière, se mettent à battre ensemble au service de la révolution. Mais ça, ça va être vrai jusqu'en 1960. À partir de 1960, ça va changer quelque peu. Il va y avoir un avant et un après. Et la petite bourgeoisie intellectuelle va arrêter de faire alliance avec la classe ouvrière pour désormais faire alliance avec la bourgeoisie. Comment ça va se passer bon. Je vais, je vais arrêter euh, gros gros teasing. Euh, je vais l'arrêter là la, la conf parce que après il explique comment euh, comment la comment la petite bourgeoisie intellectuelle s'est corrompue avec la bourgeoisie la grande bourgeoisie pour le coup. Euh, mais euh, hop là je spoil la suite. Euh, mais du coup ce qui est intéressant, c'est de voir justement ce, euh, ce cœur historique de la gauche et de dire qu'il est important de créer du lien entre les classes populaires et les euh, la petite bourgeoisie intellectuelle, parce que c'est ce qui fait moteur et c'est ce qui fait systématiquement que bah, la bourgeoisie se retrouve en défaut, se retrouve perdante sur le terrain euh, sur, te, sur le terrain politique. Euh, oui je t'ai parlé de Franck Lepage rapidement dans les commentaires je euh... salut euh, mon petit canard en ciel <laughs> bienvenue au Social Club euh... ouais petit, petite parenthèse rapide sur Franck Lepage effectivement euh, c'est quelqu'un qui était très très important dans les années 2015 à 2020 avec les gilets jaunes il est parti un petit peu dans un délire complotiste etc etc. notamment avec la crise du Covid euh c'est compliqué. C'est compliqué. Malheureusement, euh, euh, comment dire, personne n'est exemple de critique. Euh, Franck Lepage est, à mon avis, quelqu'un qui a apporté énormément à la gauche, euh, justement, avec les conférences gesticulées, avec cet outil d'éducation de, 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 populaire et en remettant le, le, les, des lettres de noblesse à, au, au terme d'éducation populaire. Après, bon. Il a eu son, son passage cette période conspi, il est retombé un peu avec Étienne Chouard. Étienne choir est reparti un petit peu dans les délires euh, comment dire négationnistes. Il s'est pris une grosse claque après son dernier passage chez le média. Euh, j'ai pas envie de comment dire, j'ai pas envie de tirer à boulet rouge. J'ai enfin, je le prends maintenant, c'est quelqu'un que je prends avec des pincettes. Je me revendique de l'héritage de Franck Lepage parce que c'est quelqu'un qui m'a donné envie de faire ce que je suis en train de faire là. Euh, c'est quelqu'un qui m'a donné envie d'écrire c'est quelqu'un qui m'a donné envie de justement d'être cette, cette courroie de transmission et de participer à ce que à ce qu poliquin décrit dans cette dans cette conférence gesticulée, sans franck lepage j'aurais jamais découvert anthony poliquin typiquement euh, donc cette conférence là et euh, voilà je vais me contenter de enfin je, je garde un oeil critique personnel sur, euh, sur Franck même si c'est quelqu'un qui euh, qui m'a apporté et qui m'a apporté beaucoup euh, et oui comme comme tu le dis, Rek, c'est euh, voilà. Euh, on retiendra qu'il a fait deux bonnes choses pour la lutte en vulgarisant et que euh, l'on peut faire de la vulgarisation politique euh, tout en étant euh, tout en étant drôle, tout en étant euh, pertinent, etc., etc., et en donnant envie. Euh, de, euh, de produire son propre contenu et en disant bah ouais on est légitime enfin moi je suis, je suis un prolo je suis pro, un prolo plus euh, plus ouais je suis légitime et le canard réfractaire pareil Johan qui était là tout à l'heure il est tout à fait euh, il est tout à fait dans cette lignée là c'est également un des, un des rejetons de, de Franck Lepage donc voilà ça fait toujours mal vu tout ce qu'il a apporté. Oui, après, bon, voilà, peut-être qu'il reviendra, je sais pas. Bref, après, les gens évoluent, hein. chacun, chacun, évolue, chacun évolue à son rythme, j'ai envie de dire. Voilà, voilà, voilà. Donc, hop, revenons-en à notre mouton. Hop là. Voilà. Non, je vais pas te mettre en plein écran. Parce que tu... Voilà. Hop. Bien sûr, Usulé. Oh là, pardon. Ça pète un peu fort. Hein. C'est le son. Voilà. Il est aussi connu pour être anti-armes, anti militaire anti, anti flic En sortant dans la... Donc, Usul est connu pour être anti-armes, anti flic anti-machin. Anti je sais pas d'où il sort ça. Euh, là, il y a une vieille vidéo qui sort de je sais pas d'où. Ah oui, en tabassant euh, des flics. Bref, tout ce qui pourrait. Voilà. C'est son, son élément pour étayer euh, pour ce point-là, juste. Je faut le protéger un jour. D'ailleurs, pourquoi anti-militaire Je comprends pas du tout. C'est bien les militaires, euh, l'armée, le drapeau, les champs. Les champs, oui, euh, un petit chant vite fait histoire de lui donner envie d'aimer l'armée. Elle ouais, a la, la quête de deux secondes, ouais, clairement, c'est. Euh... C'est ouf. C'est assez ouf. Hop. Donc, on va avoir un petit chant qui. Euh... qui est censé lui donner envie d'aimer l'armée. Stagiaire, un extrait. Stagiaire, j'adore. Alors, juste après la vidéo, on se reprend enfin. N'allons pas jusque là, oui, d'accord. Les nous les ho. Et, oh oh. Et les marxistes nous les pendrons, Et ya, oh 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 oh. clocher. Ah ouais! Pour bon ambiance, les parxistes, nous les pendrons au clocher. Et ya ho oh oh. ho! Là, c'est le chant qui s'appelle. Euh, ouais, trop bien, un vrai chant fasciste. Exactement. C'est euh, salut Valérie, bienvenue. Euh, oui, oui, grosse ambiance. Donc euh, voilà, c'est euh, on a un joli petit chant militaire qui s'intitule Les Chacals, qui est un chant qui aurait, qui serait un chant des armées françaises en Algérie. Petite ambiance, petite ambiance. J'étais pas prêt. Oui, désolé. C'est, euh... oui, c'est, est... On, est, on est, dans la, on, on est dans le dur là. On est un peu dans le dur du truc. Euh... Salut, super les chants de bidas, voix grave. Ils savent pas chanter. Oui, en plus ils chantent faux. Bienvenue, <laughs> bienvenue, Balek. <laughs> Effectivement. Donc euh, voilà, on est, on, est dans de... on est, toujours dans du gros, euh, dans du gros virilisme de base euh, avec ce, ce truc. Euh... Voilà, des, les, le, ce titre, Les Chacals. Un chacal des C'est vrai. Bref, Usul me connaît depuis très peu de temps. Il a peut-être rien loupé. C'est vrai que j'ai vu euh, des chaînes YouTube qui. Euh, j'ai vu une chaîne YouTube en particulier, je me rappelle plus du tout du nom du gars. Un mec tout baraque euh, qui parlait maniement des armes, explosifs, etc. Et je fais ah, « waouh, c'est en ligne ça C'est code Renault, vous pensez Mais ça, c'est hallucinant que ce soit en ligne en fait. Et il n'a pas mis longtemps avant de me cracher à la gueule. Donc forcément, obligé d'y répondre. Ah! Obligation morale d'y répondre. Euh, Est-ce qu'il t'a craché la gueule? Non, en fait, il a fait une vidéo qui parle du fait que l'extrême droite s'arme, etc., etc. Encore une fois, le. Euh, comment dire? Le mec n'a rien compris au message de la vidéo, manifestement. Le, le, la, la, la vidéo d'Usul, ouvrez les guillemets, de la semaine dernière, donc, le sujet, il est de dire. Attention, on a une vraie montée de l'extrême droite en France, on en a une montée dangereuse de l'extrême droite. Allez pas dire, Code Renault, c'est un connard. Non Je dis pas que ça le dit pas entre les lignes, mais euh... <laughs> non même pas en fait. C'est euh... ça, ça joue vraiment, enfin ça, ça, ça va vraiment sur, ça, ça, ça vient vraiment. Enfin le, la vidéo du Zul, elle est vraiment d'illustre le principe de la vidéo du Zul, elle est vraiment d'illustrer ça, notamment en s'appuyant sur sa rhétorique à lui. Donc euh... donc voilà. C'est oui, ils chantent, ils chantent, ils font pas de conneries. Oui, les militaires qui chantent ne font pas de conneries. Euh, ouais, mais les chants, ça porte des idées en fait. C'est pour ça que les chants de les chants militants me tiennent beaucoup à cœur. Pour les gens qui me suivent un petit peu sur, les, euh, sur Twitter, mais euh, ça véhicule ça véhicule vraiment des idées. Quand tu chantes, quand tu chantes les marxistes nous les prendrons au clocher. C'est pas anodin comme chant, j'ai envie de dire. Mais pas très loin du passage à l'acte. Enfin, je veux dire, on, il suffit de le de le répéter, de le répéter pour que ça, ça, commence à rentrer dans le, à rentrer dans le cigare, quoi. Dire qu'il est extrême droite, égale, il me crache à la gueule, la fragilité, totalement. <laughs> Alors, la bave dans la gueule, là. Ouais, non, monsieur, on condamne, on condamne, hein. En plus, il y a mieux à faire pour emmerder Macron que lui mettre une gifle. Ça, c'est un truc de fachos. Ah bah, tout de suite facho. Ah bah, on peut plus se dire patriote, royaliste, suivre toute la fachosphère, et en plus se déclarer d'ultra-droite sans se faire traiter de facho par Monsieur Usul des vidéos Usul. Bon, déjà, on va donner une simple définition du fascisme, car ce terme est utilisé à tort et à travers, mais personne ne connaît vraiment la limite pour se déclarer fâché d'extrême-droite ou bien de gauche. Donc là, le second degré, on est complètement passé à côté. Bizarrement, pour un mec qui, enfin, euh, je pense que d'après ce que j'ai compris, la défense de Papacito et de, et de Codreno par rapport à leur vidéo euh, sur laquelle ils tirent sur un mannequin, euh, sur un mannequin gauchiste, parce que c'est à peu près la seule chose dont ils sont capables, manifestement, tirer sur des cibles euh, montées par eux-mêmes, des hommes de paille. Euh Ils sont capables, les mecs, de se défendre d'un côté de faire de l'humour et là, l'humour il passe à la trappe. Et donc on va avoir la définition du fascisme parce que euh, c'est A priori personne n'y connaît rien, mais lui, en grand politologue qu'il est, il y connaît. Binarité quand il nous tient. Évidemment, ce terme n'est plus du tout en rapport avec un parti politique. Mais décrit une... Uniquement ceux qui sont pour le rétablissement d'une frontière nationale, que ce soit pour empêcher l'immigration de masse ou bien la concurrence internationale des produits et services. Aujourd'hui, la binarité est telle que si vous voulez des frontières, vous êtes d'extrême droite. Vous voulez les retirer, vous êtes de gauche. Ça va pas plus loin que ça. Donc, d'après lui, le fascisme, pour les gauchos, c'est uniquement le nationalisme et le protectionnisme. Bon, il donne pas de définition du fascisme. Accessoirement, contrairement à ce qu'il annonce d'ailleurs, euh, et il fait reposer son interprétation, comme quoi d'après les, les gauchistes, le fascisme est uniquement du nationalisme et du protectionnisme, sur rien à part son interprétation. Soit t'es dans son camp, soit t'es binaire, c'est très bien résumé, euh, Mr. T très très bien résumé et pour le coup il va dire soit t'es dans mon camp soit tes binaire donc c'est les autres qui sont binaires juste à quel, tu, à quel moment tu tu places la nuance dans ton dans ton propos moi je j'ai un peu de mal alors pour le coup Renault et non binaire <laughs> j'adore bien vu bien vu bien vu pour le coup moi je suis allé chercher une définition du fascisme euh, alors ça vaut ce que ça vaut hein, mais euh, je suis allé me rencarder chez un petit monsieur qui a fait un bouquin là dessus qui s'appelle umberto eco et qui donne euh, une définition du fascisme en 13 points le culte de la tradition le rejet du modernisme le culte de l'action pour l'action le fait de euh, renier tout esprit critique et toute analyse critique, enfin toute, toute critique analytique, pardon, la peur innée de la différence, la frustration individuelle ou sociale, le nationalisme, coucou, il est là, le fait de sentir humilié par les richesses ostentatoires et la puissance de leurs ennemis, le pacifisme, considéré comme une compromission, l'élitisme, le la perspective d'inviter chacun à devenir un héros, la volonté de puissance sur le terrain sexuel, le populisme sélectif, c'est-à-dire qu'on on a, on a une entité de peuple qui est perçue comme quelque chose de monolithique, mais à la fois pas très très défini, et un vocabulaire pauvre, ainsi qu'une syntaxe rudimentaire. Ça, c'est les 13 points 14 points, pardon, du fascisme selon Umberto Eco, et il dit, grosso modo, qu'il suffit d'un seul de ces points pour que le fascisme puisse se concrétiser à partir de cet attribut, textuellement. Hop là. Donc c'est un petit peu plus, euh, comment dire, un petit peu plus fouillé que juste du, la critique du nationalisme et du protectionnisme. Et euh, je me suis trompé, c'est synopsis de l'attaque des titans. <laughs> J'avoue. Mais, euh, voilà. Si on, si on considère que, enfin euh, selon Codreno, on est dans de, dans de la binarité à partir du moment où on dit que. Être fasciste, c'est uniquement le nationalisme et le protectionnisme. Bah, des gens protectionnistes de gauche, il y en a. <laughs> ça existe. Et ça crée des divergences et ça crée beaucoup de débats à gauche, oui. Voilà, voilà, voilà. Mais bon, euh, quand on reprend par exemple les attentats musulmans, euh, les attentats djihadistes et euh, l'extrême droite, qu'on reprend la lecture de Umberto Eco, bah, c'est marrant, mais on tombe quand même sur pas mal de convergences. Entre, euh, entre ces points-là, on retrouve le culte de la tradition, on retrouve le culte de l'action pour l'action, on retrouve euh, la frustration individuelle ou sociale, une forme de nationalisme, euh, le pacifisme comme compromission, voilà, voilà, le, le, le culte de l'héroïsme. On retrouve tous ces éléments-là dans les deux côtés. Pour dire que considérer le euh, comment dire le djihadisme comme une dérive fasciste, c'est pas déconnant. Mais considérer l'extrême droite comme une dérive fasciste, enfin considérer la rhétorique de Codreanu ou d'autres de ces gugus comme une dérive fasciste, bah c'est pas complètement déconnant non plus. Et ça repose pas bah, juste sur un ressort nationaliste ou protectionniste. Un peu plus complexe que ça, mais bon. Visiblement trop compliqué. Ton Huberto Machin, il est combiné binaire aussi, bah oui, forcément, forcément. Euh, dire que les frontières se fâchissent <laughs> Je lis les commentaires. Euh, da, 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 da. Mais toi, tu lis des livres, c'est pas du. Jeu. Bah oui, mais oui, c'est ça, ça le problème, c'est que je lis des livres, même pas en fait. Je lis des, euh, je lis des extraits de livres et je regarde des vidéos euh, un peu critiques et j'essaye de creuser les sources de ce qu'on qu raconte. <laughs> Pire que ça. Nous on les grille tout de suite de toute façon. vers. souvent on nous écoute pas. Hein. Ah et puis en fait ah bah c'était des fachos tiens quelle surprise. Allez on va la refaire différemment. Nouvel attentat terroriste. Nous on les grille tout de suite de toute façon. vers. souvent on nous écoute pas. Hein. Ah et puis en fait ah bah c'était des musulmans tiens quelle surprise. Comme dans 99% des cas. Ce qui est marrant c'est que les attentats euh, des gens d'extrême droite généralement on les qualifie de déséquilibrés. Voilà voilà. Ça c'est. Euh... Quand il y a un mec qui, qui, va, tirer, euh, qui va tirer à l'arme à feu sur une mosquée, c'est un déséquilibré. Même s'il est encarté FN. Même s'il est couleur d'affiche. Même s'il si, euh, est sur les listes. Oui, 99% des, des cas, accessoirement, source. Hein, c'est. Euh, voilà, c'est ça. Non, il ne marche pas Pourquoi il ne marche pas C'est mon alerte. Bon, c'est l'alerte. C'est une, une, une meute de un loup, oui, tout à fait. Oui, riff, François Billy, bah clairement, ouais, c'est euh... pourquoi, pourquoi, pourquoi il pourrait cassé, François Billy Mais. C'est qui m'a pété François Billy Martin C'est quoi ce bordel Attendez, je regarde dans mon. Je regarde dans mon truc. Bah non. Okay. Bon, c'est moi qui sais plus. Bon, bah, François Billy Martin Gall est cassé. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Euh, source et vient. Oui, les djihadistes sont déséquilibrés aussi. Oui, non, c'est, c'est pas. Enfin... Le problème, c'est que, euh, Valérie, enfin, je ne dis pas que les djihadistes ne soient pas des déséquilibrés d'une certaine manière, je dis que les djihadistes sont systématiquement présentés comme des terroristes. Euh, alors que, un même, enfin, un, un même attentat, un, un, un même fait commis par quelqu'un d'extrême droite, il ne va, va, va pas être qualifié de terroriste, il va être qualifié de déséquilibré. Pour deux faits, en fonction que tu sois de religion musulmane ou blanc, bah voilà quoi. Ça va pas être présenté du tout de la même manière. C'est ça le, c'est ça le problème, mon, mon, entre guillemets mon problème. Et là-dessus, on n'est pas d'accord avec euh, avec Codreno parce que d'après lui, euh, les djihadistes seraient protégés, machin, etc., etc. Pff, ce, qui reste, euh, ce qui reste, à démontrer. Bref. Voilà, ça marche aussi ici. Bon, le déclin de la France, ça fait pas très extrême gauche. Ah. Non, le déclin de la France, ça fait pas très extrême gauche. Le nationalisme, généralement, ça fait pas très extrême gauche. Ah ben, s'il si a dit que la France était en déclin, il est forcément d'extrême droite. Tous les gens de gauche, hein, tous les gentils, donc, savent très bien que la France ne s'est jamais aussi bien portée. Ouais. Je comprends pas la tech. Bon, après, il y a un des mecs qui a dit qu'il était anarchiste, quand même. Un parti qui est mort, on va dire. Plutôt l'anarchie, quoi. Ça. Ouais, ouais, anarchiste, tendance Michel Onfray, quoi, en gros. Ouais. Il était de gauche, mais pas de la vraie gauche. Exactement comme 90% de la criminalité. C'est des chances pour la France, mais pas des vraies chances pour la France. Il est no J'adore cette rhétorique de chance pour la France, accessoirement. C'est un racisme larvé euh, qui fait toujours plaisir. en Bretagne, mais il mange du beurre doux, donc c'est pas un vrai breton. Putain, mais toujours la même rengaine de merde. Et vous comprenez toujours pas pourquoi plus personne ne vous écoute et pourquoi les mecs comme moi commencent à avoir du public Sérieux, deux minutes à expliquer qu'il n'est pas vraiment de gauche parce qu'il porte des vêtements de prolo et pas une chemise à 500 euros. Juste, c'est pas de ça qu'il est question dans la vidéo, mais euh, c'est pas grave. S'il dit que la France est en déclin, oui. Après, ça dépend. Ça, oui, c est, c est, après, ça dépend comment il le dit. Oui, non, voilà. Mon point, mon point, c'est vraiment, c'est vraiment le côté. Euh, faut pas qu'il essaye d'argumenter parce qu'effectivement, comme euh, comme tu le dis, euh, comme tu dis de c'est il sait pas faire en fait. Juste, il sait pas faire. c'est euh, Et même quand il essaye de présenter, de présenter des points. Euh, il, se prend, il se prend les pieds dans le tapis. T-shirt Joker, Punch-Office à 500 euros. Bah oui, effectivement. Et je pense pas que la chemise de Usul soit à 500 euros non plus. Mais bon, euh, voilà. <laughs> C'est euh, pas grave. Mon T-shirt non plus n'est pas à 500 balles. J'ai hein. dû le payer 20 balles, maxi, un truc comme ça, quoi. Mais celui-là, son petit cosard. <laughs> à 3000 balles payé par l'État, oui, clairement. <laughs> clairement. Non, offert par euh, les amis d'Edouy. <laughs> Voilà, nous on a vu un facho qui faisait un geste politique. Mais bon. On y a même vu le symptôme d'une extrême droite qui se sent de plus en plus à l'aise, alors que non, pas du tout. Bon, trois minutes à nous expliquer que ce geste est inacceptable, qu'il faut agir avec la plus grande fermeté, tout ça. Alors, jamais ils expliquent qu'il faut agir avec la plus grande fermeté, de ce que je. Enfin, je peux me gourer, mais. Euh... Accessoirement, le mec. Hop là. Lui-même. Et là, pour le coup, je suis allé chercher un. un... Je suis allé chercher dans un canard gauchiste le mec lui-même dans sa comparution immédiate, il dit que il partage des convictions politiques traditionnelles de droite ou d'ultra-droite sans être aucun d'apartis ni militantisme exprimé. il précise que le cri de Montjoin à saint-denis, prononcé au moment de la gifle, fait référence au cri de ralliement, de ralliement des chevaliers. c'est un slogan patriote. Là, il parle de la déchéance de notre, de notre pays et euh, avec la volonté d'humilier son interlocuteur tout en ayant des armes détenues illégalement, armes de poing et armes de tir. Euh, accessoirement, j'ai pas eu plus de détails que ça. Bref, c'est rigolo pour un mec de gauche de se réclamer de, euh, comment, de la droite traditionnelle ou de l'ultra-droite. je dis, là c'est lui qui le dit, c'est pas Usul qui lui, dire, euh, qui lui fait dire autre chose. Juste à un moment. La cohérence. Elle est où ta cohérence, mec Coucou Myril, bienvenue. C'est pas ce que j'ai entendu. Non, mais personne. Enfin, je sais pas, je sais pas comment il. Euh, je, je sais pas, je sais pas d'où il sort ces trucs, le mec. Mais juste, il, il sait, soit il sait pas écouter, il sait pas écouter une vidéo, il sait pas lire un article, euh, il sait pas, il sait, il sait, il, il, il sait, pas avoir une une démonstration sérieuse sur ces sujets. S'il fait comme s'il fait la même chose. Avec les armes à feu, il va lui arriver des bricoles dans pas longtemps. Je pense pas, mais bon, bref, on s'en fout. Alors qu'ils sont les premiers à minimiser les extrémistes qui nous tuent depuis des années. L Extrême droite, tu veux dire Donc on va prendre ça sérieusement, parce qu'on va dire qu'il y a un contexte. Et on vous demande pas de nous croire sur parole, c'est pas juste les gauchos de Mediapart qui vous le disent. Hein. Ah non, 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 c'est pas les gauchos de Mediapart, hein. c'est Slate. <laughs> C'est Slate et l'ONU. Ça m'étonne que l'extrême droite commette de plus en plus d'attentats ces dernières années. Une tranche de jambon devant une de mosquée, c'est un acte terroriste. Qui va faire la une à l'international Donc, l'ONU, d'après lui, c'est pas sérieux. Ok. Eh ben, on est bien On est bien, on est bien. Oui, non, mais il tord, voilà, c'est ça. Il tord, complètement, il tord complètement les faits. Et euh, il a, il a juste, juste, il empile, il empile des trucs qui sont complètement tordus. Oh, salut Franck, bienvenue, ça fait plaisir de te voir ici. Euh, le mec tord complètement les faits et euh, il essaye de faire rentrer son truc euh, bonan malan dans dans, dans dans sa rhétorique. Il y a rien qui colle, quoi. Il y a juste rien qui colle. C'est, euh, c'est du grand n'importe quoi. Alors qu'un égorgement, c'est un simple fait divers. Tu m'étonnes que ça a triplé. Tu prends Breivik en 2011, ça fait 1. T'en rajoutes 2, ça a triplé. Ça, plus les tranches de jambon qui sont un véritable retour des forces obscures, c'est bon, on est pas mal vos chiffres. Donc Breivik, euh, Donc un mec d'extrême droite qui abat 77 personnes, il compare ça à une tranche de jambon. Sur une mosquée. Mec. Juste. À un moment. La mesure. Là, on est quand même un peu dans l'obscénité, pas mal. C'est tellement horrible. Oui, 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 clairement. Euh, salut, salut Paradev, d'ailleurs. en passage. L'ONU est également islamo-gauchiste. Bah oui, évidemment. C'est probablement ça. C'est Wanna Be Oppressed So Bad. Indeed. Cherchez pas, les gars. Vous êtes complètement grillés l'hôpital qui se fout de la charité. Et ça ne sert à rien de nous mettre un bouquin sous le nez pour nous prouver que le plus grand problème en France, c'est l'extrême droite. Parce que la documentation, c'est surfait, tu sais. Vu qu'il suffit de ne pas vivre dans vos pavillons pour se rendre compte de l'inverse. Euh... Ne pas vivre dans vos pavillons, on revient avec... Euh... Alors j'aime ai, bien, bien cette petite phrase qui revient régulièrement. On revient avec la définition du fascisme de, de Umberto Eco. Hein. Euh, toute proportion gardée. Ta, 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 Il était où Il était où Il était où Il était où Frustration individuelle ou sociale euh, les partisans du fascisme doivent se sentir humiliés par la richesse ostentatoire et la puissance de leurs ennemis. Voilà, voilà. On en revient là. Ils savent ce que c'est un livre. Ouais, c'est euh, YouTube ne fout rien. Et effectivement, comme tu le dis, Franck, YouTube ne fait rien contre ces mecs et ça, ça, ça c'est vraiment, vraiment gonflant. C'est, c'est un vrai, euh, c'est un vrai problème parce qu'ils pullulent et. Euh... Et c'est assez dramatique. Je crois que le, le réseau social qui a le plus de réactions par rapport à ces types, ça reste Twitter. <laughs> c'est dire, parce qu'en plus ça va pas chez loin. Et euh, c'est pour ça qu'il est euh, qu'il est important entre guillemets d'armer, enfin que je trouve important d'armer entre guillemets rhétoriquement notre camp pour euh, pour montrer que ces gens racontent n'importe quoi en fait. Voilà voilà. C'est comme Minecraft, mais de gauche. Wouch. <laughs> Le livre, oui, effectivement. Les fachos pro-armes, comme moi, des armes à feu, on en a depuis des années, voire même des dizaines d'années. Alors pourquoi, selon vous, les armuriers se font autant de pognon depuis peu Réponse facile. Énormément d'anti-armes commencent à se rendre compte qu'ils vont crever comme des merdes s'ils continuent à s'accrocher à leurs convictions de débit profond. Et donc, passe du côté facho de la force. La petite tech, hein, euh, débile, débile profond, on vous reprendrez bien un peu psycho, de psychophobie, c'est cadeau. Voilà, voilà. Euh, oui, accessoirement, je l'ai pas dit, mais le, le, la poudrière, le, le journal en question, c'est euh, le journal, non, n'importe quoi, le bouquin en question que, euh, dont usul cause, c'est euh, un bouquin qui a été écrit notamment par des journalistes du Point et du Parisien. C'est pas ce qu'on fait de plus gauchiste non plus dans le, dans le game. Mais bon, voilà, refus de la critique analytique. Hein, on en revient au point 4 de, euh, de la définition du fascisme de Umberto Eco. Et euh, comme je disais, ne pas vivre dans vos pavillons, humilié par la richesse, tout ça, tout ça. C'est toujours. Euh, on est toujours dans une petite cohérence, on va dire. Ah, ce passage, il est tellement assumé et tellement toujours d'actu, bordel. Bon. Alors, ce passage-là, ce passage-là, je l'aime beaucoup aussi. Commence à se rendre compte qu'ils vont crever comme des merdes s'ils continuent à s'accrocher à leur conviction de débit profond. Et donc passe du côté facho de la force. Ah, ce passage, il est tellement assumé et tellement toujours d'actu, bordel. Mon chef-d'oeuvre. Donc Le mec déduit du fait que les gens s'arment, les gens c'est la preuve. Que les idées racistes gagnent du terrain, ou que les idées sé sécuritaires. Oui, c'est pas je joue beaucoup. Euh, les idées racistes gagnent du terrain. Il déduit d'un fait, entre guillemets, de consommation, même si c'est une consommation un peu particulière, il donne une intention au fait que les gens s'arment. Mais est-ce qu'il y a une corrélation Juste, t'en sais rien en fait. Les gens s'arment, c'est un fait. Les gens d'extrême droite s'arment, c'est un fait. Mais est-ce que c'est parce que les gens sont d'extrême droite qu'ils s'arment Ça, c'est un petit peu, enfin, euh, c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle un fait cigogne, quoi. C'est euh, tu déduis qu'il y a plus de bébés en Alsace au moment où les cigognes arrivent, donc c'est les cigognes qui apportent les bébés. Non, c'est juste parce qu'il y a une corrélation entre la saisonnalité et tout ça. C'est... Euh... C'est pas du tout, du tout la même chose. C'est... Euh... Mais bon, ça, c'est son chef-d'oeuvre. Donc, le mec, un argument comme Hock-Propter-Hock, donc, qui confond Corrélation et causalité, c'est son chef-d'œuvre. Eh ben, eh ben, ça va pas chier loin. Hein. Aujourd'hui, aller dans n'importe quelle armurerie pour acheter de la simple chevrotine, tout le monde est en rupture de stock. Bah, pareil, là, je viens tout juste d'acheter un 300 blackout. Eh ben, toutes les armureries en ligne, absolument toutes, sont en rupture de stock. Donc il nous dit que les munitions de 300 blackout sont en rupture de stock. Alors ça, effectivement, on va chez l'avoir Armurie, euh, qui est à peu près le premier armurier qu'on trouve euh, en ligne sur, euh, en tapant sur un moteur de recherche basique. Effectivement, toutes les munitions de 300 blackout, enfin de, de bla AC Blackout, pardon, euh, sont euh, en rupture de stock. Et il nous disait juste avant que la chevrotine est en rupture de stock. Bah merde, il n'en trouve pas, moi j'en trouve. C'est pourtant pas moi l'expert en armement. Chiote alors. Est-ce qu'il balancerait des conneries juste comme ça sans vérifier ce qu'il dit je doute. <laughs> je doute. Je doute, je doute. Bref, euh, Voilà, c'est le genre de... C'est les mineurs crypto qui utilisent des millions de 300. Oui, il y a une spéculation sur les... Euh, <laughs> sur les millions de 300, c'est énorme. J'ai dû me taper 4 heures de route pour aller à Limoges pour pouvoir en acheter. Il y a encore seulement 250, ce qui est quasiment rien. 250 balles de 300, tu, 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 tu fumes une petite foule pépouse. C'est quasiment rien. Juste. T'es un salaud de gauchiste qui achète sur Internet alors que lui il fait vivre les petits commerces de proximité. Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est euh, il fait euh, il fait 300 bornes pour euh, il fait 300 bornes en, en diesel pour aller. Euh... Qu'est-ce qu'il faut avec ça Bah c'est un, un mec qui fait son qui fait son biz sur le comment dire sur l'armement, euh, sur la vulgarisation de l'armement enfin, des armes à feu. Et il a une licence de tir sportif. Euh, enfin il fait ça euh, il fait ça dans les règles a priori. Et tant mieux, euh, mais euh, oui, il le fait de bonne foi et euh, c'est. Mais voilà, le mec son loisir c'est tirer avec ce genre de petites choses. Après, chacun son chacun son passe-temps. Moi, personnellement, accessoirement, il tire, il tire, dans son jardin avec ça, on l'a vu dans la vidéo de dans la vidéo avec Papacito. Moi, mon voisin tire avec ça. Au moment, on a une petite discussion, quand même, je pense. Bref, 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 c'est euh, toujours assez rigolo, euh, mais c'est surtout rigolo de voir que en balançant euh, des pétitions de principe avec beaucoup d'assurance, euh, oui, pas tant mieux parce que ça veut dire que les règles sont beaucoup trop souples effectivement. C'est euh, non, enfin je dis euh, voilà, dans le sens euh, bref, je me comprends, mais euh, effectivement c'est assez euh, assez flippant de savoir que ce genre de gugus qui n'est pas capable de mettre un argument devant l'autre sans se prendre les pieds dans le tapis, joue avec ce genre de, avec ce genre de choses. À un moment, se pose des questions quand même. <laughs> un petit peu. 250 munitions à combien la minute Alors, pour répondre à ta question, Franck, je l'ai. 200, 200 balles de euh, de 300 blackout. À prix réduit, c'est 183 euros. Donc, on peut dire que 250 balles, c'est 200 euros. Voilà. Euh, accessoirement. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Accessoirement, j'avais regardé. Et je l'ai pas gardé. Ah merde, dommage. J'avais regardé également le prix du, de la petite pétoire euh, qui s'est achetée. Donc, un 300 blackout. Est-ce que, est que je retrouve pas le lien Tac, tac, tac. Voilà. 300 blackout. Carabine. Ça, bon, j'ai pris, euh, entre guillemets, j'ai pris la première qui passait parce que euh, je suis une quiche, etc., etc., en termes d'armement. Mais, euh, grosso modo, une, car une carabine de 300 blackout, c'est entre 1500 et 3000 balles. Quand même. Juste. Un petit budget, et j'avais fait le calcul euh, pour tirer avec ça. Donc, il faut une licence de tireur sportif. La licence de tireur sportif, c'est 150 balles par an, à peu près. Euh, 250 balles de, euh, de ces munitions là, c'est 200 euros. T'as un billet d'entrée, grosso modo, à 2500 euros, plus. Enfin, euh, 2000 euh, Ouais, t'as un billet d'entrée à 2000 euros, grosso merdo, plus 1500 euros par an de budget euh, balle, plus, euh, plus licence. Et je parle même pas, même pas, de l'équipement qu'il a rajouté dessus. Parce que, euh, on a le. Comment dire on a le fusil entre guillemets à poil qui est présenté voilà on a le fusil à poil qui est présenté là Donc juste, juste, la, juste la carabine pardon ah bah tiens ça doit être à... non c'est pas forcément ce modèle là mais euh, juste la carabine à poil elle est entre entre, 2, entre 3 000 et enfin entre 1 500 et 3 000 euros mais là on voit qu'il a un point rouge on voit qu'il a un silencieux machin enfin il y a des bricoles autour je pense qu'il y en a pour un, un petit billet de mille balles en plus sur le sur le bousin. mais bon c'est des gens normaux qu'on ça <laughs> juste sérieux je viens tout juste d'acheter un 300 Blackout. Eh ben, toutes les armuries en ligne, absolument toutes, sont en rupture de stock. J'ai dû me taper 4 heures de route pour aller à Limoges pour pouvoir en acheter. Et encore seulement 250, ce qui est quasiment rien. Sans ça, putain, je pouvais même pas m'en servir. Alors. T'imagines Le pauvre. Il pouvait même pas faire pampon dans son jardin. Aïe, 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 aïe. Comme disais, le disait le fils de Cash criminel, les, les balles sont payantes, les rafales sont gratuites. Ouf. Oh. Beau. Bon. Comment c'est légal en France qu'un type comme ça puisse avoir ça, des armes de guerre chez lui. Alors je ne sais pas si c'est considéré comme des armes de guerre pour le coup, mais euh, oui c'est euh, c'est un peu, c'est ça reste ça reste quand même très très inquiétant. Et c'était le motif de la vidéo du Zul. Donc du coup il y répond super bien, c'est cool. <laughs> Allez je vais essayer d'accélérer parce que je suis encore super loin en fait. Que les gens ont vraiment commencé à s'armer depuis 2015, le phénomène ne s'est vraiment pas arrêté en 6 ans. C'était pas hier, hein, et pourtant les stocks n'arrivent pas à suivre. Mediapart, vous êtes exactement à l'image des lobbies anti-armes aux USA. Ces mecs qui crament beaucoup plus de pognon que les lobbies pro-armes, mais avec aucun résultat. Ce qui est normal. Qui va vous prendre au sérieux alors que vous rougniez tous les faits divers concernant les actes de violence, excepté ceux qui vous arrangent, malgré le fait qu'elles soient exceptionnellement rares. Et en plus, vous incitez les gens à vivre avec. Alors, un petit coucou utilitarisme, hein, accessoirement, on renverse, on fait un coup de cherry picking pour renverser la mortalité des accidents d'armes. Des accidents on est encore dans le refus de la critique analytique, c'est euh, oui l'hôpital qui soude la charité, exactement. Euh, c'est du calibre de chasse 4, c'est putain la vache. Au secours. Bref, euh, du coup, on est quand même sur un truc euh, sur un truc truc bien bien euh, bien, bien inquiétant, quoi. Euh... Bon après, ça parle d'astronogeek. Ça fait un bail que lui et Usul se chamaillent car Arnaud avait... Ça fait un bail. Et dans une vidéo, le mec, euh, Usul il en a parlé deux fois. Juste et la première fois il savait juste pas qui c'était. Donc <laughs> ça fait un bail, ça fait un bail. Covid dit du secours. bien du régime communiste chinois. Comme quoi, ils s'en sortent bien mieux que nous de la crise car un régime où le gouvernement se fait respecter par la force si nécessaire, bah ben, ça fonctionne mieux qu'un régime ultra laxiste comme le nôtre. Coucou, lui, le le pardon, l'appel le, le, à l'autoritarisme, ça critique les trottes, mais euh, bon, <laughs> voilà quoi. Et ça, Usul, ça lui a pas plu, ce que je comprends pas trop d'ailleurs. Léon Trotsky, son maître à penser, a quand même créé les premiers goulags. C'est quand même encore un cran au-dessus niveau autoritarisme. Ouais, mais on peut avoir une lecture critique de l'histoire et notamment des gens qui ont inspiré des courants de pensée. Mais ça, c'est pareil, ça doit lui passer bien au-dessus. Mais bon, ça lui a pas plu et quand ça lui plaît pas, ben, soit il pleure dans son coin. Soit il lui souhaite la mort, comme il l'a fait avec Chris Papillon, qui avait osé critiquer l'inefficacité des grèves. Euh, C'était suite à la vidéo sur la grève. Euh, C'est assez virulent, jusqu'à euh, qu'il crève, des trucs comme ça, enfin, sauter ma mort et tout. C'est pas forcément sympa, parce que j'ai pas trop envie de crever. Bon, Je croyais que les baisers gauchistes étaient des bisounours. C'était sûrement dans l'élan. Euh, parce qu'ils étaient tombés donc, sur la vidéo sur la grève. Euh, si j'ai bien compris, ils sont un petit peu d'extrême-gauche, donc pro-syndicaliste et tout. Il m'a avoué, c'était un peu emporté sur le moment. Euh, je lui ai dit que je n'en voulais pas, euh, que je comprenais qu'ils comprennent pas euh, ce que j'ai dit. Enfin, voilà. Il n'y avait pas de souci euh, majeur. Mais là, récemment, euh, lors de, sur une web radio, Radio Usul, c'est reparti, en gros, ça a reparlé de moi. C'est ça, les gentils de gauche Alors, on ressort des bails il y a 7 ans. Accessoirement en disant que soit Usul appelle au meurtre, soit il pleure dans son coin, mais là j'ai pas l'impression que ce soit Usul qui pleure dans son coin. Euh, j'ai plutôt l'impression que c'est Chris Papillon qui regarde ses pompes. Bref, euh, on en est à ressortir des textes vieilles de 7 ans pour essayer de disqualifier le Gus. Sérieux. Sérieux. Antico Anticommunisme précaire, ouais, c'est ça syndicaliste ouais non mais voilà on est on est enfin Chris Papillon c'est euh, Chris, Chris Papillon est anti-syndicaliste donc euh, voilà c'est au secours quoi au secours Sinon je commenterai pas ce passage car Arnaud est assez grand et surtout il y a assez de répartis pour se défendre tout seul. Il commande pas ce passage mais il le commande quand même. Je dirais simplement que si je ne connais pas le système de fonctionnement des régimes communistes, politiquement parlant, je les connais bien sous forme de combats insurrectionnels que j'ai pas mal étudiés. Petit spoil qui en parlera un régime communiste, comme la Chine, la Corée du Nord, régime de Lénine, Stalinien, Mao Zedong ou autres, ce sont les seuls régimes où il ne peut pas y avoir d'insurrection. Le peuple ayant trop peur de son gouvernement pour se lever contre lui, à la manière d'un Big Brother. D'ailleurs, 1984 est une critique du communisme et du nazisme. Tout ça Orwell l'a dit. Nous y voilà. Euh, Chris Papillon est de droite déjà. Non, Chris, Papillon, il, Chris Papillon, il dit qu'il a une archiste. Il, il a même une poule qui s'appelle Baconine. T'as qu'à voir. La poule était pas consentante à mon avis. Mais euh, oui, Orwell l'a dit. Le point. Orwell l'a dit. Le fameux livre noir du communiste. Oui, on en est là. George Orwell en un seul mot, évidemment. Euh, donc, 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 euh, le mec dit qu'il ne connaît pas les régimes communistes politiquement parlant. C'est déjà bien aimable de le reconnaître. Euh, mais il a étudié, étudié, étudié pardon, ces régimes sous l'angle insurrectionnel, en l'occurrence des tactiques militaires, c'est les bouquins qui euh, l'agitent. Partant de là, il sait que les régimes communistes, c'est des régimes sous lesquels on ne peut pas contester parce que le peuple a peur de son gouvernement. Mais ça, ça s'appelle un régime totalitaire, mon pote. Ça n'a rien de propre au communisme. Pourquoi tu, enfin pourquoi tu caches le fait que euh, on ait eu la même, il y a eu la même chose sous Pinochet, sous Franco, sous Mussolini, pour pas parler du moustachu. Euh, oui, autoritaire, voilà, totalitariste, enfin, totali, auto, totalitaire, non, autoritaire. Oui, non, t'as raison, Franck, Effectivement, euh, c'est pas propre au communisme. Euh, à côté de ça. Des régimes communistes, t'en communiste, as au Rojava, au Chiapas. Et là, en l'occurrence, on n'est pas tellement dans l'autoritarisme. Mais c'est sûr que agiter la Chine, la Corée du Nord, etc., etc., ou le régime de Lénine, Stalinien et Mao, pour remettre un coup sur la Chine, tu fais du cherry picking en fait. Tu prends que les régimes communistes autoritaires et tu vas les mettre pour poser les régimes communistes totalitaires. C'est faux. Euh, oui, il y aura un replay, Wolfram. Bienvenue à toi. Il y a un replay sur. Hop. Euh, ah, tata. Sur, sur, sur. Euh, rediff. Voilà, sur la chaîne YouTube. L'ex-URSS, exemple, oui, qu'on me donne 9 fois sur 10. Bah oui, c'est complètement ça. Bref, le mec, il connaît pas les régimes politiques. Il les connaît uniquement sur le plan tactique, la tactique militaire, Insurrectionnel et guérilla. Et. Il fait une généralisation sur les régimes totalitaires avec un gros angle mort sur les régimes d'extrême droite, parce que l'autoritarisme, enfin, c'est de gauche, c'est bien connu. Évidemment, ce n'est que de gauche. Et euh, pour conclure ça, il nous sort bon, le fameux El famoso George Orwell, parce que euh, une vidéo. Qui parle de qui parle de fascisme, sans parler de George Orwell. Visiblement, les mecs savent pas faire. Par contre, ils nous sortent toujours 1984. Mais est-ce qu'ils ont lu un jour Hommage à la Catalogne Je serais curieux parce que là, pour le coup, niveau critique du communisme et euh, critique matérielle du communisme, c'est quand même un autre level. Mais bon, visiblement, les bouquins, c'est pas leur fort, sauf certains bouquins. Je m'emballe un peu. Bref. Pour dire que mine de rien, euh, aujourd'hui le président s'est pris qu'une baffe. Hein, mais dans ce contexte, avec une prolifération des idées d'extrême de droite, une banalisation de la propagande pro-armes sur Internet, qu'on retrouve jusque chez astronomique qui n'est pourtant pas facho, hein Eh bah, ben tout ça, ça c'est 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 ça, ça pue la merde. Ah mon petit Usul, si tu savais à quel point je suis fier que le sujet se banalise. Par contre, un détail que tu oublies souvent, c'est que les mecs comme moi, très majoritairement, on est loin d'être contre les politiciens, très loin d'ailleurs. Macron a été choisi par le peuple. Entre autres par Mediapart, qui l'a largement mis en avant. Euh, Emmanuel Macron, qui vient à Mediapart, comme vendredi, en faisant des clins d'œil à Edoui. Euh, et... Non. Bon, le petit coup, euh, la petite balayette, euh, mon petit usule, il est fier que le sujet se banalise. Bah oui, forcément, c'est son fonds de commerce, le mec. Oui, évidemment qu'il est fier que le sujet se banalise. Ça fait son business, quelque part. Enfin, ça, fait sa, ça fait sa visibilité. Je ne sais pas s'il en tire de revenus, mais... Euh... Voilà quoi, il va pas s'en plaindre, c'est sûr, ça lui donne de la visibilité. Euh, il dit qu'il est loin d'être contre les des politiciens, mais bon, dans la vidéo de Papacito, il dit clairement qu'une arme à feu, ça permet de faire entendre ses, ses arguments. Donc bon, manifestement, c'est pas tous les politiciens. Et là, effectivement, comme tu le dis, Franck, c'est d'un côté, il reproche à Mediapart d'avoir fait élire Macron, mais de l'autre côté, il reconnaît une légitimité à Macron puisqu'il a été élu par le peuple. Juste un moment. Comment ça fonctionne dans ta tête Quelle est ta logique Quelle est ta logique, mec euh, Par là, -dessus, par dessus le marché, on refait une petite tech euh, sur euh, sur Mediapart en disant que euh, Macron était complice, machin, connaissant un petit peu l'udivine Bantini qu'on voit euh, qu'on voit sur les images. Donc c'est cette personne-là, euh, qui est historienne, euh, qui travaille pas mal sur les révolutions, euh, c'est pas tellement le genre à cirer des pompes à Macron. <laughs> Suivez Divine Bantini sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'elle n'est pas du genre complaisant avec Macron. Donc là, en l'occurrence, c'est plus une critique vis-à-vis -vis de, euh, de la venue d'Emmanuel Macron sur Mediapart que l'inverse, à mon avis. Je peux me tromper, j'ai pas regardé la vidéo d'origine. Et bizarrement, elle est pas dans les, elle est pas dans les sources. Mais bon, c'est du damage control parce qu'ils sont en train de chier mou se retrouver devant un Oui, je pense, oui, clairement, très clairement. Mais bon, voilà, c'est toujours intéressant. Enfin, je trouve ça intéressant de regarder ce genre de, ce genre de truc et de dire, mais putain, mais juste qui, qui, qui est crédule de ce genre de, de ce genre de choses quoi. Euh, il dit qu'il faut tuer les électeurs de Mélenchon. Non, non, non. Il dit pas qu'il faut tuer les électeurs de Mélenchon, mais pff, leur message est tellement ambigu dans leur vidéo. Tellement ambigu. Hop Pas sur le bon écran. dire se dit, en des clins d'œil à Edoui, Non. Nous qui vivons constamment avec l'insécurité constante, contrairement à toi, soit on achète des armes pour se faire plaisir au stand, ce qui est largement mon cas, soit pour se défendre contre ceux qui foutent la merde dans le pays. Suivez mon regard. Dans 9 cas sur 10, ce que vous appelez communément des chances pour la France. Voilà, voilà. Si vous n'avez pas vu la petite tech raciste, je ne euh, la remettrai pas. Donc, quand vous dites que vous êtes dans la merde, ok, mais qui est dans la merde pour... Alors là, on va avoir une belle. Euh, un beau tunnel. Le gouvernement, est sont largement assez. Qui est dans la merde, pardon la question c'est qui est dans la merde Et qui est dans la merde Pour le gouvernement, ils sont largement assez protégés pour pas prendre plus qu'une baffe. Les islamistes les ont plutôt à la bonne. Les mecs comme moi, on s'en fout d'eux. Et les gauchistes comme toi qui leur crachent dessus en permanence n'ont pas les moyens physiques ou matériels pour faire autre chose que des vidéos sur internet entre deux barrages républicains. Le propos c'est Usul qui dit qu'il est dans la. Enfin, que, que ça pue la merde. Je croyais que c'était pour chasser du sanglier. Oui, du sanglier. Entre guillemets. Il y, y a un dog whistling euh, dans, le, dans, dans le truc. C'est euh, du sanglier sans être vraiment du sanglier. Voilà, voilà. Des armes pour se défendre. Oui, ils sont paranoïques Oui, oui, non, mais ils, sont... Enfin, ils sont complètement parano parce qu'en plus le mec, de ce que je comprends, il habite dans le fin fond de la Cambrousse et euh, clairement des gens qui foutent la merde dans le pays, comme ils les appellent. Euh, il ne doit pas en voir tous les jours, surtout ayant une petite idée du secteur où il habite. Bref. Ceux qui sont dans la merde, ce sont les gens normaux qui n'ont pas les moyens de vivre dans un immeuble sécurisé. Ceux qui sont dans la merde, ce sont les gens normaux qui n'ont pas, pas les moyens de vivre dans un immeuble sécurisé. Donc, ils détournent complètement le propos d'Usul, en l'occurrence, pour leur faire dire ça. Mais, ces gens normaux, ils ont les moyens de se, se payer une licence de tir sportif à 150 euros par an, 200 balles pour à peine pouvoir se servir d'une carabine 300, 300 Blackout à 1500 euros. Comme je disais tout à l'heure, je parle même pas d'équipements de rajouté dessus, parce qu'on peut rajouter deux violets faciles à mon avis, donc on est sur du 5000 balles gentiment. Ça, c'est des gens normaux. Juste pour du tir sportif. Sérieusement. Au-delà du racisme, euh, on a fait. Enfin, il, le mec nous fait un joli tunnel sur l'insécurité, qui est encore une des rhétoriques historique de euh, de l'extrême droite et là pour le coup c'est pas moi qui l'invente c'est complètement dans leur le c'est complètement dans le logiciel la menace venue de l'étranger la menace de l'immigration c'est complètement le logiciel rhétorique de l'extrême droite lui il se sert de ça pour parler de flingue etc etc juste à un moment j'invente pas les choses la menace intérieure, oui, ou la menace intérieure, effectivement. Euh, c'est toi-même qui places ces éléments-là dans, 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 dans ton discours. Et après, tu vas chouiner que. Ah oui, mais on dit que je suis l'extrême droite. Bah <laughs> C'est-à-dire que c'est compliqué d'en de euh, déduire autre chose, en fait. Ils doivent travailler avec cette insécurité que vous importez, et qui du coup se font égorger à cause de l'idéologie anti-blanc que vous leur promulguez. Ce que j'appelle un tunnel, c'est grosso modo, il part dans une, il part dans une explication où euh, comment ouais, c'est pas vraiment un tunnel, effectivement. Mais euh, c'est quand, un tunnel, c'est quand tu fais, quand tu fais une longue démonstration enfin, quand tu fais une longue démonstration. Euh, ah, je sais pas l'expliquer, en fait. Je sais pas l'expliquer. Ouais, en l'occurrence, ils s'en plutôt dans ses idées, mais, euh, ou peut-être moi, mais, <laughs> mais, euh... non, en l'occurrence, c'est quand tu vas, quand tu vas mobiliser beaucoup d'éléments qui vont pas, qui vont pas forcément avoir, euh, avec le sujet de départ, mais, euh, quand tu arrives, quand tu mobilises énormément d'éléments pour arriver à un, à un point précis dans une continuité. Bref, oui, c'est, euh... C'est un peu de la divagation, de l'extrapolation, etc., etc., mais pour arriver à une conclusion donnée. Et en l'occurrence, on est plus dans un biais de confirmation qu'autre chose. Mais ça, c'est euh, c'est un peu un partout. C'est un peu la constante de son euh, de son truc. J'ai rien pour pas grave. On va faire avec. Allez, on continue. Mais vous inquiétez pas, hein, vous le voyez pas vraiment, mais vous aussi, tout comme le Jean prolo que je suis, vous êtes dans la merde. Car vous vous retrouvez désarmé dans un pays rempli de chances pour la France, qui se battent les couilles du fait que vous leur suciez les couilles constamment sur internet. Ça c'est cadeau. Pour plus de détails, vous demanderez à Bernard Tapie ou Laura Calu. Et il y a aussi les prolos que vous traitez tout le temps de nazis, et que vous devrez, un jour ou l'autre, aller voir pour vous enfuir le jour où votre petite bulle de protection sera percée. Donc on en revient. Oui Jean Prolo lui effectivement euh, il vient de se dire prolo mais il se dit prolo clairement euh, il se, le mec se dit complète, complètement prolo avec des armes enfin avec, euh, avec, avec un budget armement enfin euh, je, je, sincèrement je serais curieux d'avoir le, le, le budget équipement armes qu'il a parce que je enfin je vais pas renier le fait qu'il soit prolétaire mais franchement quand on voit son budget armes euh, ça n'a pas grand-chose à envier aux gens qui vivent dans des immeubles sécurisés, enfin, les, les, à ceux qui vivent dans des immeubles sécurisés sur lesquels il tape, quoi. Donc, il se sert pour, euh, comme, euh, comment dire, comme homme de paille, on va dire, ou comme cible facile. Il a tout acquis à la force de son travail, oui, tout à fait, à la force des déménagements qu'il fait euh, dans, dans sa cambrousse. Euh, et avec tout le respect que j'ai pour les gens qui vivent à la campagne, parce que Jean suis natif également et j'y vis encore euh, relativement. Bref, c'est euh, parce qu'il fait de la manutention. Oui, tout à fait, c'est ça. Il fait du crowdfunding. <laughs> Bref, euh, accessoirement les prolos qu'on traite très, tout le temps de nazi, bah non, en fait, on ne traite pas systématiquement, enfin, j ai, j ai, il n'est pas question de traiter les prolos de nazi, personne ne fait ça, mais de constater qu'il y a des gens qui ont des idées d'extrême droite. Et qui se réclament du prolétariat, ce qu'on appelle la rhétorique rouge-brune, en l'occurrence. Mais c'est pas parce qu'ils se réclament du prolétariat qu'ils ont, qu ils ne peuvent pas avoir d'idées d'extrême droite. C'est pas parce que tu vas emprunter ou que tu vas avoir un passif, enfin un passé de militant ou de couleur d'affiche euh, au parti communiste que tu vas être à l'abri d'avoir des dérives d'extrême droite. Exemple, Papacito, Alain Soral. Voilà. Juste. Quand on me dit prolo, je pense à une ex. Je pense pas, je pense pas direct à un ex-militaire. Oui, effectivement, oui. Quand on voit sa connaissance de Marx, quand on parle de très les oui, voilà, c'est, on est, on est à peu près sur ce genre. On peut posséder une ou deux armes de chasse beaucoup moins chères, par contre. Oui, complètement. C'est clair. C'est clair. Effectivement. Et oui, accessoirement, le mec termine sur, euh, le, sur, une petite, euh, sur une petite tirade. Les gens que vous serez obligés d'aller voir quand, quand, euh, quand, quand, le, quand ce sera la merde, on revient sur cette, sur cette héroïsation et le mec se fait son petit scénar dont il est le héros. Euh, on retombe sur, sur l'héroïsme. C'est euh, chez. On en revient chez Umberto Eco, hein, le point 11. Chacun est invité à devenir un héros, le héros du fascisme éternel, euh, rêve de mort héroïque qui lui est vendu comme l'ultime récompense de la vie, d'une vie héroïque. Voilà une vie dans laquelle tu vas sauver les gens gauchistes, accessoirement ou que les gens gauchistes devront venir te voir en grand sauveur pour euh, t'épargner une vie de tracas, de je ne sais quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez pourquoi j'ai énormément de boulot en ce moment, ce qui fait que ma chaîne stagne complètement Les maisons dans les campagnes se vendent comme des petits pains. Qui sait C'est peut-être moi qui devrais m'occuper de votre déménagement dans le village du secteur. Ça pourrait être marrant. Parce que. Personnellement, j'ai pas besoin de toi pour faire un déménagement. Bon, après, hein, euh, c'est pas parce que t'es déménageur que t'es à l'abri, encore une fois, d'être euh, de faire d'avoir des discours de merde et d'avoir des discours confus juste. Mais bon, ça, c'est pareil, c'est un petit peu trop... Ça doit être un petit peu trop complexe pour toi. Chez mon bureau qui prend le plus court. <laughs> Loisirs accessibles à des gens simples. Oui, des gens simples. <laughs> bref, bref, bref. Allez, petit passage sur... Euh, oui, Umberto Eco, c'est bien le mec du nom de la rose et du pendule de Foucault. Euh, et c'est effectivement, euh, effectivement, effectivement une menace. Euh, enfin, voilà, c'est effectivement dit sur le ton de la menace. Je sais, j'ai plus, plus en tête le nom du bouquin. Euh, je vais le regarder vite fait, parce que je suis une quiche. Euh, Umberto Eco qui parle du fascisme. Euh, fascisme, 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 Umberto Eco. Reconnaître le fascisme, voilà. C'est oh non 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 stop 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 stop. Tu te calmes. Le premier lien que je trouve, c'est c'est Amazon. Non. Reconnaître le fascisme de Umberto Eco, voilà. C'est euh, ça se trouve assez facilement. Euh, C'est chez Grasset et ça doit être dispo en poche, ça coûte absolument rien. Voilà, 3 balles en physique, euh, 2,49€ en numérique, et je pense qu'il y a très moyen de le trouver en autoréduction, PDF ou autre. Euh, voilà voilà. C'est euh, ça doit être assez facilement trouvable. Hop là, j'en étais là, j'en étais ici. Hop, je fais le tri dans mes sources, pardon ça, Tu te calmes, voilà. Euh, Moody, on a fait une lecture il y a quelques semaines. Ah bah c'est cool, très bien. C'est euh, merci, merci de l'info. J'espère que, enfin, ça doit être, ça doit être dispo en replay. Enfin, si, si ça ne l'est pas, ça le sera. Généralement, elle fait ça. Euh, dispo en replay sur la, sur la chaîne de Moody et euh, pareil qui fait du très très bon boulot sur euh, sur l'antifascisme. Quand même et qui fait partie de la saison antifasciste d'ailleurs. Si vous avez l'occasion d'aller voir dans la euh, dans la playlist de la saison antifasciste, je vais remettre le lien parce que saison hop saison antifasciste YouTube hop là je veux vous la remettre là ça mange pas de pain hop là et voilà Moody VOD Easy la chaîne de VOD de voilà. Et ça, c'est le lien de la chaîne de Moody, comme ça. Normalement, vous pouvez poster des liens à partir du moment où vous pouvez, euh, vous pouvez vous pouvez poster des liens sur le sur le chat. Il hein. n'y a pas de, y a pas de souci. J'ai eu juste un bot qui est venu, euh, qui est venu poster des trucs. Euh, Est-ce que potentiellement, elle a fait des playlists Bon je vais me perdre je vais, pas, je vais pas chercher ça parce que euh, je suis déjà il est déjà 19h40 et on a, on a à peine dépassé la moitié de la vidéo. On va accélérer. Source les faux semblants du Front national. Na C'est plus que ceux qui étaient déjà de droite sont moins résistants à devenir d'extrême droite. Oui, tout à fait. C'est clair. Euh, la sociologie des votes euh, des votes de l'extrême droite. Bah c'est pareil, je crois qu'elle je crois qu'elle a fait un truc sur les sur les votes d'extrême droite Moody de mémoire. Parce que je crois que c'était un sujet de euh, un sujet de mémoire qu'elle a dû faire quelque chose comme ça. Je dis ça de tête, évidemment. Hop hop hop, le déménagement c'est fait. Alors là, on va faire on va passer sur le sujet du survivalisme, sujet qui tient énormément à cœur à euh, Codreno Si le président ne s'est pas pris de balle. Plusieurs faits divers récents ont impliqué des hommes armés, avec parfois une idéologie fascisante, tendance survivaliste en arrière-plan. Il y a eu deux personnes tuées dans une série, des gendarmes dans plusieurs cas. Déjà, pour les survivalistes, c'est-à-dire le fait d'apprendre à se défendre dans le cas où la criminalité deviendrait complètement ingérable, ce n'est pas un parti politique, mais un effet de société. Les survivalistes... Alors, c'est un effet de société, oui, mais il y a quand même une petite constante dans les milieux survivalistes. Juste. Au niveau des idées. Euh, au niveau idéolo idéologie, on retrouve quand même des euh, comment dire des petits, euh, des petits trucs un petit peu récurrents, hop là, est-ce que euh... là, je suis complètement perdu dans mes liens ah j'avais mis un article de côté pour le survivalisme du coup euh, du coup je l'ai paumé, bon ok c'est pas grave Allez, bonne fin de soirée euh, bonne fin de soirée à toi mayoche hop euh, je sais plus où on entend parler de je sais plus où on parle du survivaliste. bon j'ai paumé mon lien c'est pas grave euh, et bah ben merci euh, merci de, 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 ta, de ton passage en tout cas c'est cool le plaisir oui il y a quand même il y a quand même une petite constante dans les euh, dans les survivalistes euh, C'est pas juste une, euh, un phénomène de société, mais il y a quand même ça part quand même d'une petite lecture du monde qui est une lecture individualiste contre une société qui serait devenue ingérable. Donc on retrouve le culte de l'action, on retrouve la peur de la différence, on retrouve la frustration sociale, le rejet du pacifisme et une forme de populisme sélectif c'est euh, apprendre à vivre seul dans la nature le survivalisme oui il y a cependant là mais euh, y, en fait généralement dans le survivalisme il y a beaucoup là il euh, y a beaucoup des notions de euh, territorialité et de défense et euh, c'est pas très, euh, très, très orienté individualiste en fait alors que typiquement, l'extrême-gauche va beaucoup plus s'organiser sur des lieux sociaux, sur des squats, sur des zads, et c'est pas franchement la même tambouille que vivre tout seul dans les bois. Il peut y avoir une compatibilité de savoir reconnaître les plantes comestibles, très clairement. Enfin, j'ai des potes qui font des stages, euh, qui organisent ce genre de, de stages. Je pense à Aurore, par exemple, euh, Aurore Drossard, qui fait ça. Euh, mais, le survivalisme, il y a quand même beaucoup, une, il, y a, il y a quand même une énorme connotation, enfin le survivalisme pris en tant que tel, il y a quand même une énorme connotation vivre en milieu hostile et en milieu social hostile, enfin, dans, un, dans un contexte où le pays part en couille, voilà. Et je crois que c'est ce qui développe justement juste après. Englobe absolument tous les partis politiques, à partir du moment où ceux-ci vivent dans une zone non sécurisée. Voilà, le survivalisme englobe tous les partis politiques à partir du moment où ceux-ci vivent dans une non -ce zone non sécurisée. Qu'est-ce que t'entends, zone non sécurisée donc, c'est un problème de classe sociale. Toi, tu vis... Non, ce n'est pas qu'un problème de classe sociale. Enfin, ce certainement pas un... un problème de classe sociale, en fait. Dans une petite bulle de protection, et tu auras Yoga Magazine pour te protéger le jour où tu te rendras compte que criminalité est absolument partout, même dans ta villa, soit tu apprends dès aujourd'hui à te défendre. Euh, sinon, pour les... Il n'y a pas d'alternative. Hein. C'est soit... Euh... On n'est pas du tout dans la binarité. Hein. On est dans la nuance, tout ça. Euh... Toujours. Toujours, toujours. <laughs> ta villa... Oui, visule a une villa. Voilà. On apprend que Jules, Jules vit dans une villa. Sécurisé, tout ça, machin. D'où il sort ça? On sait pas. De son cul. Voilà. Mais, euh... <laughs> le compte Twitter Antifa Survivaliste. il ah, y a, y a de l'idée. Il y a de l'idée. Je pourrais, je pourrais glisser ça. Euh... Pour y glisser ça à quelques, à quelques personnes, ça, 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 ça pourrait leur donner des idées. Euh, remplace, euh, ça ressemble plutôt à de l'autodéfense qui raconte « Ouais, mais c'est de l'autodéfense qui est quand même... Enfin, » Il parle d'autodéfense effectivement, mais il parle d'autodéfense vis-à-vis de chances pour la France qui sont quand même, comment dire, très... Euh, très ciblées en termes d'origine, en, en on va dire. Euh... C'est. Voilà. C'est de l'autodéfense très. Euh... Très particulière, on va dire. <laughs> on va dire ça comme ça. Le mort dont tu parles. Désolé de te le dire, mais ça a été retiré de la liste des méchants survivalistes. En effet, dans le projet de loi qui demande la gérance de cette mouvance, ils l'ont retiré. À ton avis, pourquoi Ben, là, le type en question était qatari et avait des armes illégales. Ce n'est donc pas le retour des heures les plus sombres, mais juste un fait divers comme il y en a tous les jours. Par exemple. Tu penses que si Abdel, qui a tué deux personnes à coups de couteau et brûlé vif les enfants de ses victimes, avait été survivaliste, tu l'aurais ajouté à ta liste Non. Il fait partie d'une communauté privilégiée qui classe son acte en fait divers. Donc, personne n'en a parlé. Donc là, le mec va nous ressortir un truc en disant que... Il y a un mec d'origine musulmane, enfin d'origine avec un, avec, un, avec un prénom à consonance maghréine qui a commis un crime, donc c'est un attentat terroriste. Juste, encore une fois, il est dans le non-sens complet. En disant que, du coup, ça prouve que ces gens sont protégés et qu'on ne qualifie pas de terroriste les attentats, les, les crimes commis par des personnes de confession musulmane. Ou... Issue de l'immigration nord-africaine. Bonne soirée à toi, euh, Arek. Désolé pour le. <laughs> Désolé pour, le, pour la torture. Euh... Les mecs sont quand même dans un espèce de billet de confirmation et de, à, à vivre avec des œillères ou juste. Tu prends deux faits similaires, tu les mets en parallèle et entre un attentat d'extrême droite et un attentat djihadiste, ils vont pas avoir du tout le même, ils vont pas du tout avoir la même lecture des faits quoi. C'est. <laughs> Merci Eric. Euh, C'est complètement dissonant quoi. Ils détournent complètement un fait faits divers. Pour les faire rentrer dans, 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 sa, dans, dans sa grille, de lecture, c'est hallucinant. Et du coup, comme ça rentre pas, il en déduit que c'est torcubant. Après, c'est ce qu'on, voilà. je, je, je me perds un peu, mais c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle, un, ce qu appelle un, raisonnement, un raisonnement un raisonnement panglossien, pardon, pour reprendre les termes de de Richard, mon voisin. Je, je cherche du coup. Euh, Est-ce que je l'ai mis de côté Je l'ai pas mis de côté, c'est honteux. Euh... Raisonnement panglossien. Hop là. Il est là, où je le garde. Hop là. Le raisonnement panglossien, c'est-à-dire que tu pars de ta conclusion pour arriver à ta conclusion. Grosso modo. Et euh, ça c'est pareil, je le, mettrai, je le mettrai dans les sources, mais... Euh... Mais du coup, c'est complètement ce qu'il fait quoi. Il part, de son, il part de son truc pour enfin il part de sa conclusion pour arriver à sa conclusion. C'est assez hallucinant. Là, je te mets en pause, tu te mets en pause. Bref, 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 son article accessoirement, il est tiré de F de Souche, hein. Parce que bon, pas être trop à gauche au niveau de ses sources, F de Souche qui va sourcer son truc sur Actu 17 accessoirement. Mais jamais, il euh, y a de revendication, de, enfin, euh, j'ai pas vu de revendication euh, rattachées au, à la religion ou quoi que ce soit. Euh, donc oui, on est dans le fait divers. On n'est pas dans le, on n'est pas dans l'attentat terroriste. C'est pas du tout la même chose. Mais oui, effectivement, l'ONU n'est pas fiable. Par contre, avec le souche, tout va bien. C'est au secours, au secours. Quand les faits ne cadrent pas avec la théorie, tu remets la théorie en question. Oui, bah oui, c'est ça, exactement. C'est euh... alors que là, il remet les faits en question pour essayer de les faire rentrer dans sa théorie. Pas du tout. Fonctionne à l'envers. Va bah, falloir t'enseigner un peu mieux que ça si tu veux pas qu'on te traite d'islamophobe, mon petit Usul. Mon petit visual, hein, toujours. Et n'oublions pas, comme le rappelle Marlène Chapa, jointe par Libération suite au rapport sur le féminicide de Mérignac, il y a un véritable sujet sur les armes à feu, qui est le premier mode opératoire des féminicides. Bon, là, ça ne sert à rien d'en parler, vu que toute cette partie a été complètement détruite par le youtubeur Y hydrales voilà. Je ne pas mieux que tout ce qu'il a dit, et cette partie est donc entièrement fausse. So Alors, j'ai pas vu la, euh, la vidéo d'Y Hydralès, euh, pour le coup. Je ne suis pas allé la voir parce que il euh, y avait tellement de merde à tellement de merde à débunker dans son, dans, dans son truc-là que euh, je n'ai pas eu le temps d'aller chercher de ce côté-là. Enfin, de ce côté-ci, pardon. Mais, euh, grosso modo, ce qu'il dit, c'est que euh, les... Enfin, ce que Jules dit, c'est qu'une bonne partie des, euh, des féminicides sont perpétrés par arme à feu ou... Par des personnes propriétaires d'armes à feu. Euh, et donc le mec se prend même, pas la peine de, prend même pas la peine de répondre en disant Bah allez voir chez mon pote et euh, tout ira bien quoi. Source à l'appui, pour plus d'infos, allez voir directement sa vidéo. Source à l'appui, accessoirement, si j'ai des sources de la même qualité que celles qui pose, personnellement je rigole. Par contre, pour les sources d'Uzul, c'est-à-dire Marlène Chapard, arrêtez de rigoler, on vous dit Je me souviens de ce passage qu'il met en avant sur les armes. Je me souviens surtout qu'à ce moment-là, elle voulait interdire le port d'armes en France et mettre en place un système interdisant et confisquant les armes aux personnes violentes. Alors, petit passage rigolo, là on parle d'une vidéo qui a un an. Alors que le passage du Zul, on ne le voit pas bien à l'écran, mais l'article date de. juin 2021 sur le féminicide de Mérignac. Voilà, voilà. Et il parle du euh, Marlène Chiaba qui, euh, qui parle du féminicide de Mérignac. Féminicide de Mérignac, il n'est pas... Euh, je n'ai pas la date exacte, mais de mémoire, il n'est pas très vieux quand même. Voilà. je tape n'importe comment. Hop là. Voilà, mai 2021. Mai 2021. Et donc pour... Critiquer ça, le mec se base sur une vidéo qui date de Ah bah il était là mon raisonnement Une vidéo qui date bien d'un. sujet. Tout, bien. Feu, tout va bien. Tout va bien. C'est pas la bon, cohérence qu'il est. Parler vu que toute cette partie a été complètement détruite par le youtubeur Y -Kydrales. Je ne ferai pas mieux que tout ce qu'il a dit et cette partie est donc entièrement fausse. Source à l'appui. Pour plus d'infos, allez voir directement sa vidéo. Par le contre, pour les sources d'usure, c'est-à-dire Marlène Chappard, arrêtez de rigoler, on vous dit. Je me souviens de ce passage qu'il met en avant sur les armes. Je me souviens surtout qu'à ce moment-là, elle voulait interdire le port d'armes en France et mettre en place un système interdisant et confisquant les armes aux personnes violentes. Une sorte de système finada, quoi. Quel courage de sa part de vouloir interdire un truc qui n'existe pas et de mettre en place un truc qui existe déjà depuis très longtemps. Et après ça, vous vous demandez s'ils connaissent vraiment le sujet Mais bien, Isul, hein, tes sources, hein, continue comme ça. Alors, critiquer la méconnaissance de, Chia... de Chiapa, d'accord, c'est une chose. Euh, pas de problème, Myri, il n'y a, aucune... a aucune obligation. Euh... Mais euh, donc critiquer, euh, critiquer ce que dit Marianne Chiappa, bon, j'ai pas tellement de moi ça, me... ok, il y a beaucoup dire chez Chiappa très très clairement. Euh, la considérer comme une source fiable au niveau de l'armement, personnellement, je pense pas qu'Uzul fasse ça, je peux me tromper. Euh... Après, le fait qu'il existe un système pour euh, désarmer les personnes violentes, bah, visiblement, si la plupart des féminicides sont perpétrés par des possesseur d'armes à feu. Il y a peut-être un petit pépin dans l'énoncé, quand même. Et... Euh... Par contre, un truc sur lequel je suis effectivement d'accord, c'est qu'on manque de euh, personnes qui s'y connaissent en armement, en armes à feu, en tout cas, chez la gauche. Ça, c'est une réalité. Enfin, je... Ça, je, je peux absolument pas le contester. C'est... Euh... Ça reste, euh, ça, ça, ça reste un angle mort qu'on a, et euh, ce serait potentiellement intéressant d'avoir quelqu'un qui fasse ce job-là. Euh, parce, euh, parce que, ouais, ça manque, en fait, et pouvoir démonter un petit peu, un petit peu toutes les conneries qui, sont, qui peuvent être racontées, notamment par euh, ce genre de Gugus. Voilà, voilà. Mediapart maîtrise très bien ces sujets. Article après les attentats du Battle ta ta, 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 ta ta Mediapart sur Claude Emma. Ah bah, si t'as le site. Euh, je vais, je vais... si tu as un lien à me balancer, Malek, euh, je suis preneur. Normalement, tu peux le balancer dans le, dans le chat. Normalement, ça passe. Si ça si ça passe pas, tu me l'envoies en, en chuchotement. Ou sur, euh, ou sur Twitter, ça, normalement, mes MP sont ouverts. Bélé, bélé. Donc, on résume, on a une augmentation du terrorisme d'extrême droite dans tout le monde occidental. On a une banalisation des discours euh, pro-armes sur Internet. Et on a des influenceurs euh, fachos qui vont toujours plus loin, hein, qui entraînent toujours plus loin leur public théoriquement, mais aussi... Très concrètement, en les appelant maintenant à s'armer. Alors là, se répètent constamment, mais j'avoue que là-dessus. Oui, toi aussi, tu te, répètes, tu te répètes constamment. Je suis très content de moi. Pendant des dizaines d'années, les... les seuls qui avaient le monopole sur le sujet des armes à feu, c'était ce genre de serpillères. BFM TV, Mediapart, le Parisien, etc. Donc des mecs qui ne maîtrisent absolument pas le sujet, mais qui régurgitent des légendes urbaines autour d'elles en pensant être la bonne parole parce que eux, ils sont gentils et les tireurs, ils sont méchants. C'est jamais ce qu'il dit. Quand je me suis lancé sur YouTube, il n'y avait que l'UFA et l'UNPACT qui en parlaient, qui tentaient de faire de la réinformation. Mais... La réinformation, ça, c'est le petit, euh, le petit mot qui a tendance à, ce genre de petit mot qui a tendance à me faire tiquer quand on parle de réinformation. Je me dis, mm, <laughs> ça pue, ça pue, ça pue. Ça veut pas forcément dire que, euh, que ce soit complètement faux, mais généralement, il y a quand même des indices. Euh, quand, moi, quand j'entends réinformation, je me dis, ah, on part dans les, on part dans les théories conspires, voire d'extrême droite, quoi. Et uniquement sur leur site, donc avec aucun public externe de ceux qui étaient déjà convaincus. Grâce à moi et à quelques autres, les tireurs commencent enfin mmh. à pouvoir répondre à leurs insultes et à leurs mensonges. Grâce à moi, j'adore. Les journalistes qui commencent à parler du sujet alors qu'ils ne connaissent foutrement rien se font de plus en plus remettre en place. Et des médias un peu plus sérieux qui parlent du sujet, il y en a de plus en plus. L'ARPAC, Yann Schroeder, Y Hydrales, MJ Armement, etc. Et moi comme... Il y a une petite communauté, on va dire. Les autres, on est un peu plus crédible que Usul, qui n'arrivera jamais à vous citer le moindre texte de loi sur les armes. Ils se font constamment pourrir la gueule, et à juste titre. Comme il le dit si bien, ça a vraiment commencé en 2017. Comme ma chaîne est officiellement devenue la première chaîne francophone sur le sujet. Et c'était pas compliqué. À cette époque-là, mmh. il n'existait que deux chaînes professionnelles. Michel Boltro avec 11 000. Bon, là, on est dans la minute. Et Oxera Armory avec 17 000 abonnés et en chaîne amateur comme la mienne, il n'y en avait qu'une, chaîne Kaiser avec 5000 abonnés. Aujourd'hui c'est ridicule, mais à l'époque c'était énorme. Ensuite, toutes les chaînes qui existaient avaient quelques centaines d'abonnés et n'étaient absolument pas suivies. Depuis 2017, la moindre chaîne d'armes à feu qui se lance gagne ses 10 000 abonnés en quelques mois. Ceux qui gèrent ces chaînes montent enfin leur tête, alors qu'avant 2016, tout le monde cachait son visage, par peur d'être reconnu et donc comme celle petite balayette sur la cancel, accessoirement le, le fait de, euh, de montrer son visage pour faire des vidéos, c'est un truc euh, oui oui, on est complètement dans l'autoglorification euh... c'est le fait de montrer son visage effectivement a une vraie corrélation avec le fait d'avoir, de, euh, de gagner en, comment dire, de gagner en visibilité, c'est aussi pour ça que je montre ma gueule, parce que euh, je trouve ça important, et puis ça permet d'avoir une personnification, etc, etc je ne le fais pas pour euh, comment dire pour mon orgueil personnel. Enfin, j'espère pas, en tout cas. Ou j'espère que je le cache assez bien. Le sujet a donc été rendu normal. Aujourd'hui, on monte une... Le sujet a été rendu normal, Yupi chaîne d'armes à feu avec la même facilité qu'on peut monter une chaîne de gaming et avec la certitude qu'elle tournera bien pour peu que la qualité suive. Là, ce que le mec dit, c'est grosso modo, allez-y, montez une chaîne d'armement, enfin de... qui, qui parle d'armement, et vous ferez à l'aise euh, 10 000 abonnés, comme l'exemple de la Gauloiserie, euh, qui s'est montée il y a quelques mois, euh, donc active depuis euh, février 2021, qui en est à son, quasiment 200 000 vues, et euh, grosso merdo, 10 000 abonnés. Voilà, voilà. Par exemple, la chaîne de la Gauloiserie s'est montée il y a seulement 4 mois, et à bientôt, c'est 10 000 abonnés. Mais il y a que, et autres médias. qui est Cook. alors accessoirement la gouloiseerie euh, on est dans du euh, on est dans du dans de la dans, on est dans de la bonne testostérone aussi hein, accessoirement c'est euh, c'est assez caricatural leur, euh ah tiens ouais, c'est c'est ma, ma rame qui peine un peu parce que j'ai trop de choses d'ouvertes. là j'adore la moustache asymétrique euh, bref voilà, voilà. C'est au secours. J'ai plus les liens. J'avais lu ça à l'époque où je cherchais un abonnement MediaPart, machin, machin. Ah, tu fais de la reconstit euh, première, deuxième Ou c'est juste, c'est juste de la collection personnelle, Balek. Les glorieuses moustaches, oui, tout à fait. Enfin, c'est pas parce qu'on a des moustaches qu'on est de, qu'on est d'extrême droite. Hein, J'ai noté la ref euh, Claude Hermand, MediaPart. Hop. dans un coin, et euh, peut-être que j'arriverai à trouver des articles en autoréduction. Euh, pep, pep, pep. Je suis complètement perdu dans mes, dans mes sources, dans mes liens. Hop là, c'est pas du tout ça, c'était ça. Donc voilà, euh, et bah ben pas de souci. Euh, bonne soirée à toi Marco, et à bientôt. C'est ça, Recontit cool, 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 cool. Il est très compliqué la reconstitution. <laughs> surtout euh, surtout sur les guerres, euh, sur les guerres mondiales. Euh, J'en je, je, parlerai un jour avec des avec des camarades qui font de la qui font de la et sur lesquelles, avec lesquels on essaye de faire un petit peu bouger les lignes au niveau politique. C'est pas simple du tout. Oui, bourré de fachos, notamment euh, notamment les premières guerres. Le, le napoléonien aussi, c'est bien bien bien, euh, c'est bien gratiné, on va dire. Le napoléonien, le viking, c'est un peu plus un peu salé. Enfin, Viking c'est un peu ambigu des fois. Euh... Alors pas tous, évidemment. Je vais pas de généralité, mais il y a quand même il euh, y a quand même des gens qui euh, qui se posent là quoi, on va dire. Bref, pour en revenir à la gauloiserie, on est sur ce genre de bail, euh, voilà, grosse voiture, enfin euh, Jeep, euh, Jeep machin, euh, où on essaye de, on, on est sur de la grosse testostérone, bodybuilding machin voilà voilà lui j'ai déjà vu j'ai déjà vu à quelques, quelques endroits mais euh, c'est marché je dis je sais plus euh, je sais plus son prénom voilà c'est des guns et euh, des grosses baloches. indochine algérie ah a a ah oui non la, la reconstitute Indochine algérie oh très sale très très sale <laughs> voilà voilà donc le discours c'est euh, ils connaissent calcul Renault et qui c'est mis bah oui forcément. Ouais, étrangement. Je veux, pas, je veux pas faire du délit de faciès, yes, mais euh, c'est. Euh, tu sens que les mecs, ils essayent de mettre, enfin, euh, ils, ils ont une espèce de, de production de la virilité euh, qui est assez, euh, assez chelou, quoi. Bref. Allez, bref, tout ça pour dire euh, Renault invite à monter des chaînes qui parlent d'armement. Donc si vous êtes gauchiste et que vous voulez parler d'armement, et ben pourquoi pas comme ça, ça permettra de répondre à ces gens-là. Voilà voilà parce qu'a priori il suffit de se lancer pour avoir 10 000 vues et enfin dix mille abonnés etc etc. Personnellement je serais euh, quand même assez surpris que Code Reno fasse la, euh, la promotion d'un mec qui parle d'armement en étant de gauche, voire même une nana qui parle d'armement ou enfin j'ai cumulé cumuler un peu les, les 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 comment dire les discriminations pour parler d'armement et euh, je serais surpris que il vous fasse votre promo comme il le fait avec euh, avec le, le comment dire la gauloiserie sûrement soirment gauloiserie le nom est un petit peu un petit peu connoté aussi on va dire hein, on va dire ça comme ça c'est pas euh, ça donne une forme de petite euh, proximité d'idées on va dire voilà voilà Bref, allez, hop, on enchaîne. Et il y a seulement 4 mois, et à bientôt c'est 10 000 abonnés. Média Cuck et autres médias subventionnés ont. Média Cuck, j'adore. Et autres médias subventionnés. Perdu le combat malgré le pognon qu'ils balancent dans leur désinformation contre des prolos comme moi qui ont commencé avec une caméra à pile montée sur un étau. Donc, on oppose des médias avec un mec qui. Euh, qui fait des vidéos dans son garage. Euh, bon les vrais prolos d'un côté la bourgeoisie de l'autre tout ça marche enfin la bourgeoisie la petite bourgeoisie intellectuelle de l'autre on est toujours dans cette opposition hein, où on essaye de séparer les deux cœurs historiques de la gauche euh, mais on va dire aussi que ces gens là ont perdu la bataille idéologique c'est exactement la ligne de enfin, c'est exactement ce que dit papacito dans sa dans sa vidéo de réponse à euh, au fait que, que que la vidéo a été strikée. et franchement bah pour des gens qui ont gagné, euh, je trouve qu'ils sont encore dans le, ils sont encore vachement sur la défensive. Je peux me gourer. <laughs> je peux me gourer. Ils ont pas l'air très très sûrs, quoi. balance comme Bien sûr, le champ qui fait des, des vidéos de et d'analyse militaire, oui, tout à fait. C'est, il parle pas d'armement, mais euh, il fait du très très bon travail. Il s'est pris un four, euh, en ayant dénoncé, enfin, euh, Codreno, c'est Codreno qui l'a cancel pour le coup. <laughs> Ça m'a beaucoup fait marrer. Mais bon. Ça, comme si on devait avoir honte d'avoir réussi à retourner son public. Accessoirement, Usul, elle a commencé avec du matos à la zob euh, dans, son, dans le salon d'un de ses potes, enfin, de, je crois que c'est dans le salon ou dans la chambre d'un de ses potes, euh, machin, enfin, c'est à peu près les mêmes conditions, quoi. Bon, euh, est-ce qu'il devrait se, comment dire, avoir honte d'avoir ramené un public à se conscientiser au niveau politique ou d'être embauché par Mediapart Personnellement, je pense pas. Enfin, je pense que si euh, Code Reynaud était embauché par un armurier ou autre, ou par un média qui fait de la réinformation sur les armes à feu, admettons, je pense qu'il il, euh, s'en cacherait pas, quoi. Mais au contraire, bordel Et au contraire, bordel L'extrême droite et la droite nationaliste, si elle peut diffuser aujourd'hui ses idées avec une si grande facilité, c'est qu'il y a aussi un, un balai-couille total de la justice autour de l'explosion de la criminalité. Alors j'adore le, 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 le fait de couper Thomas porte dans ce dans ce qu'il dit hein, aussi c'est toujours sympa. Ce qui incite les gens normaux à vouloir se défendre contre les 150 attaques au couteau qui arrivent chaque 150 attaques au couteau. jour, pas des chances pour la. France. Pardon, je vais la refaire. Aujourd'hui, ces idées avec une si grande facilité, c'est qu'il y a aussi un un balai couille total de la justice autour de l'explosion de la criminalité. Ce qui incite les gens normaux à vouloir se défendre contre les 150 attaques au couteau qui arrivent chaque jour, par des chances pour la France. Et là, on parle juste des attaques au couteau, même pas de coups de poing, d'acide, de barre de fer, etc. Donc là, le mec nous dit par d'un propos de Thomas Porte. Donc Thomas Porte, c'est un porte-parole de génération S de mémoire. Enfin, il est encarté à génération S. Il a créé l'observatoire. Enfin, il est président euh, et co-créateur du euh, de l'observatoire national de l'extrême droite. Donc qui documente le euh, comment dire, qui documente les apparitions de l'extrême droite dans le champ médiatique politique et euh, des faits divers. Euh, et donc il coupe Thomas Porte pour lui faire pour. Détourner le sujet vers la criminalité et opposer les gens, les gens normaux contre les chances pour la France avec l'argument de 150 attaques au couteau par jour sans compter le reste avec des statistiques sorties de son cul. Il n'y a aucune source, on ne sait pas d'où il sort ça, attaque, 150 attaques au couteau par jour. Ce n'est pas le genre de choses qui passe inaperçu. Multiplié par 365 jours dans l'année, je pense que ça se verrait un peu. De quoi il parle, quoi Juste de quoi il parle je, Moi je comprends pas. Je comprends pas. C'est ça, j'ai raison. Un magma idéologique et un contexte politique qui favorise ça. Ah merde, j'étais presque. Et la Alors La violence de l'extrême droite, elle est de plus en plus importante. On la découvre pas aujourd'hui avec l'agression d'Emmanuel Macron. Eh oui, je suis totalement d'accord La violence de l'extrême droite est de pire en pire. On passe de type qui accroche des banderoles à un anarchiste qui gifle Macron. Un anarchiste autoproclamé accessoirement. Voilà, voilà. Euh, J'avais pas compris de parler sur le champ sur YouTube. Ah oui, d'accord. Euh... Il y a une petite réface amour que j'ai raté, que j'avais noté, que j'ai ratée. À un anarchiste qui gifle Macron. Emmanuel Macron. Eh oui, je suis totalement d'accord. La violence de l'extrême droite est de pire en pire. On passe de type qui accroche des banderoles à un anarchiste qui gifle Macron. Si on laisse faire, dans 60 ans, on aura une tuerie au Bataclan, mais cette fois-ci avec des armes déclarées. L'horreur, quasiment le nazisme. Ah oui, ça c'était ça la petite réface d'Emour. Donc, un anarchiste autoproclamé, hein, comme on l'a vu juste avant avec l'article du euh, canard subventionné de gauche, euh, Le Figaro. Voilà, voilà. Mais, euh, mais tout va bien, quoi. Euh, et accessoirement, on ne parle absolument pas, on se contrefoue des stats de euh, de l'ONU et on va sortir 150 attaques au couteau. Euh, ah, tiens, on doit parler de cet article, mais j'ai pas accès. Eh bien, j'essaierai de, de trouver une source pour le collectiviser si jamais. Je vais le garder dans un coin. J'essaierai de. S'il y a des articles payants, j'essaierai de les collectiviser dans le... sur Twitter. Merci en tout cas, Dinosaure, pour la, euh, pour la source. J'irai creuser un peu tout ça. C'est cool. Hop. Alors. La petite de Zemmour qui mange pas de pain. Ça, c'était au passage. L'horreur quasiment le nazisme. Bon, ensuite, gna gna gna, les terroristes d'extrême droite et les djihadistes, c'est pareil. Bah oui. Donc pour la forme. Et pour une question d'obligation légale, on va dire que les djihadistes aussi sont méchants. Quelle obligation légale Mais on va pas le dire directement, sinon on va se faire traiter de raciste. Quoi Gna gna gna, il y a un journal qui dit que l'extrême droite est le plus grand danger du pays. Gna gna gna. Bref, on est dans le summum du déni. On... Est-ce que je m'arrête là Non, je vais continuer. En gros, il nous explique que vouloir se défendre contre Jean Djihad ne fera qu'accentuer le problème. Et qu'il vaut mieux se soumettre à lui. Que... Si vous achetez des armes légalement, Je vous êtes faire. automatiquement facho d'extrême droite, donc un potentiel terroriste. Qu'il vaut mieux se faire tuer en étant gentil de gauche plutôt que de survivre en étant un méchant d'extrême droite. Mais faites donc, on va pas insister Le mec se réjouit que des gauchistes se fassent tuer. Ok. Je reviens vite fait. Allez. Parce que il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce passage-là. Hop. armes déclarées, l'horreur, quasiment le nazisme. Bon, ensuite, gna gna, gna les terroristes d'extrême droite et les djihadistes, c'est pareil, donc pour la forme, et pour une question d'obligation légale, on va dire que les djihadistes aussi sont méchants, mais on va pas le dire directement, sinon on va se faire têter de racistes. gna gna il y a un journal qui dit que l'extrême droite est le plus grand danger du pays, gna, gna, gna bref, on est dans le summum du déni. En gros, il nous explique que vouloir se défendre contre Jean Djihad ne fera qu'accentuer le problème. Alors, non, c'est pas ce qu'il explique, et en l'occurrence, le papier de Mediapart. Donc c'est celui-là, ultra-droite, des terroristes si proches des djihadistes. Je l'ai retrouvé. Je le, mets en, je le mets en accès libre par ici. Le PDF, directement, parce qu'il est réservé aux abonnés. Mais si vous avez les moyens de vous abonner à Mediapart, n'hésitez pas. Euh, c'est toujours mieux que le Figaro, clairement. Et euh, en gros... Tiadis de Strasbourg égale revolver, revolver M1892 d'époque 1445 14, en gros vendu par un collectionneur. Oh c'est beau ça. vache C'est la première fois que je viens. J'ai découvert sur le chat du... Eh ben mais bienvenue à toi, euh... Artère rénale paillette. <laughs> euh... Donc, 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 l'article en question, il nous dit que il y a quand même de, des gros parallèles entre l'extrême droite et les fondamentalistes djihadistes, notamment dans la formation de groupuscules, dans le vocabulaire, la rhétorique de la défense une, à une menace mortelle qui justifie un appel aux armes, des ennemis, qui sont les USA, enfin des ennemis mortels qui sont les USA et l'Union européenne, enfin Bruxelles, euh, un fantasme sur des pays tels que la Syrie ou l'Ukraine, une haine de la République, des juifs, des LGBT ou des femmes, un recrutement via les jeux vidéo, les salles de sport et la famille, des camps d'entraînement pour entraîner des loups solitaires, c'est pas juste euh, se défendre, c'est des méchants. Enfin, se, se, se défendre, ça rend. Se défendre des vilains djihadistes, ça rend méchant. Non, on est loin de là. On est dans un truc beaucoup plus argumenté que ça, quand même. Mais bon. C'est tellement plus simple de monter un argument tout fait pour, euh, pour taper dessus. C'est... Ça tient pas à son truc, ça tient juste pas. Et qu'il vaut mieux se soumettre à lui que... Accessoirement, petit, euh, on retombe sur le petit côté soumission, machin. Que si vous achetez des armes légalement, vous êtes automatiquement facho d'extrême droite. Personne ne dit ça. Donc un potentiel terroriste. Qu'il vaut mieux se faire tuer en étant gentil de gauche, plutôt que de survivre en étant un méchant d'extrême droite. Encore une fois, on réinterprète les choses et tout va bien. Mais faites donc On va pas insister Si vous saviez à quel point on s'embranle de votre survie La sainte sélection naturelle est sacrée Et sur... La sainte sélection naturelle... Voilà, voilà, hein Coucou l'appel à la nature, ça va bien. argument okay, bon, contradictoire fait prendre une vidéo d'un contradicteur coupé le son. Et à noter gna gna gna... Oui, tout à fait, c'est ça, exactement C'est complètement ça. Surtout, ils disent qu'il n'y a aucun risque qu'il puisse y avoir une guerre civile en France. Pour preuve, tous ceux qui en parlent sont des méchants d'extrême droite. C'est ça la preuve, hein. Comme les militaires d'actifs, ou bien l'ancien chef d'état-major, en passant par l'ancien ministre de l'Intérieur. Des. Qui sont tous. d'extrême droite En fait. Remiril. <laughs> Re euh. Là, là, bref, euh, Voilà. Des types qui n'ont sûrement aucune source sous la main, j'imagine Genre nu, quoi. Sinon, Eric Zemmour, Le Pen, Delesquin, etc., etc. Oui, une belle, belle somme de gens d'extrême droite, en fait. Tous ceux qui disent qu'il peut y avoir une guerre civile en France, comme ça a souvent été le cas dans un pays accueillant plusieurs civilisations, sont tous classés méchants pas gentils, c'est pas gentil d'être méchant. Donc c'est une preuve que ça ne pourra jamais avoir lieu. En... Alors, là son argument c'est le multiculturalisme mène à la guerre civile. Est-ce qu'on parle de l'Angleterre Est-ce qu'on parle du Canada euh... Parce que bon, en termes de multi multiculturalisme, ça se place quand même un peu là. Il y a d'autres pays, mais bon, je vais parler de ceux-ci plus... enfin, parce que c'est les plus connus. Mais. Juste. Son point tient pas. Le. 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 L'épreuve des faits, en fait. Il n'y a pas de guerre civile au Canada, il n'y a pas de guerre civile en Angleterre. Alors ouais, c'est une autre. C'est quoi l'argument C'est que c'est une autre culture C'est. Euh, guerre civile espagnole, guerre de sécession Oui, aussi. Euh, c'est. pas le multiculturalisme ne fait pas nécessairement la guerre civile et euh, la guerre civile ne n'est pas forcément du multiculturalisme non plus. Je pense. Je peux me tromper. Bref, je vais me garder le bénéfice du doute, hein, contrairement à lui et ses assertions à coups de pelle. En gros, selon eux, la vérité n'existe que de ceux qui ont le tampon gauchiste. C'est jamais ce qui est dit. Encore une fois. Regardez dans les années 30 et les socialistes qui voulaient désarmer les civils et les militaires, qui demandaient une alliance militaire avec l'Allemagne nazie, le tout en faisant censurer les méchants qui s'élarmaient sur une possible guerre contre l'Allemagne. Ils avaient raison, non Plus d'infos ici. Alors, j'ai pas regardé cette vidéo, en, cette, la, la vidéo en question, par contre, dans, sa, dans le lien de sa, dans sa vidéo, pardon, il donne une source à un moment donné. Bon, je l'ai. Je l'ai là, hop, Adoxa, machin, les pacifistes dans les années 30. L'article a été retiré du site en question, par contre, je l'ai retrouvé sur un autre site, ma peine vraiment. Qui parle donc des pacifistes dans les années 30 et 40, etc. etc. Pareil, j'ai pas creusé le truc, mais euh, on retrouve ce petit passage-là sur euh, qui serait un extrait du journal L'Humanité paru le 4 juillet 1940. Je l'ai pas, euh, pas dépouillé ce truc, mais euh, on a l'air d'être sur une belle connerie. Euh, et accessoirement, quand on creuse, quand on va chercher un petit peu dans les sources, euh, référence, voilà. Il y a quatre références. dont Milton Friedman. Euh, bon, ça m'a l'air un peu lège. En termes de billets, euh, histoire, euh, machin, tout ça. Comme je dis, je ne l'ai pas dépouillé. Mais euh, oui, comme tu le dis, Balek, il y, euh, y a le très bon. Euh, comment dire le très bon, la, la très bonne vidéo de Histony sur le front populaire et euh, enfin sur Pétain et la gauche, et euh, ça remet un petit peu l'église au milieu du village. Par contre, le site euh, Peter Collins, là, bon, du coup, j'ai regardé, parce que j'ai un, un petit réflexe, c'est de regarder un petit peu la page d'accueil. Euh, bon, on a une image de euh, ça doit être Paris, l'exposition euh, universelle de 87. 1887 à vue de pif, euh, je peux me gourer hein, dans les dans les années, mais ça doit pas être euh, ça doit pas être 1900. Je sais pas. Bref, c'est je pense que c'est 87. Bref. Mais euh, quand on regarde un petit peu dans les articles, la France, on a on a un article pardon qui dit la France ne s'est pas construite sur le pillage des matières premières en Afrique. Ok. La suprématie des peuples de bien, coucou. Euh, les occidentaux pris dans la tenaille universaliste. Bref, on est quand même dans un petit... Euh... On est quand même dans un petit biais, quoi. Il y a quand même une petite ligne éditoriale, pas piqué des verres. Voilà, voilà. La commune, il y en a un paquet de guerriers. Oui, tout à fait, qui n'ont pas de rapport avec le multiculturalisme et quand la... Guerre civile éclate à cause du multiculturalisme, c'est parce qu'une culture opprime l'autre et pas parce que parce qu'elle cohabite à égalité. Tout à fait. Bref, réduisez les inégalités et vous réduirez le risque de guerre civile. Voilà, voilà. Mais bon, quand on est euh, quand on fait l'apologie des armes à feu, forcément, ça rentre pas dans le logiciel. Euh, bah déjà, faudrait arrêter de se voiler la face. Ne serait-ce que sur le profil des centaines d'attaques au couteau par jour, du gifleur de teint. Ben bah non, un cran au-dessus dans l'horreur, bien sûr. On pourrait aussi à gauche poser le sujet des armes en proposant un vrai. Parce que euh, le fait que l'extrême droite s'organise de plus en plus pour commettre des attentats armés, voire à l'explosif, ça, on s'en fout. On, on attend quoi On attend qu'il rattrape au score Ou euh, je, je comprends pas moi, à un moment, à quel moment on est censé s'inquiéter un plan pour désarmer la France qui compte près de 15 millions d'armes en circulation, en contrôlant, en interdisant et en s'attaquant au trafic d'armes. Alors non, c'est pas toi qui ne connais rien au sujet qui va désarmer le pays. Surtout si tu veux maintenir les frontières ouvertes et donc faire rentrer les armes illégales et ceux qui s'en servent. Et de plus, c'est le travail de la gauche De cette nouvelle gauche, du moins. La gauche a toujours incité les gens à s'armer dans l'histoire. Car elle voulait que les prolétaires aient un moyen de pression viable pour lutter contre les injustices de l'État. La gauche a toujours appelé à l'armement, mais par contre, juste avant, il cite un article qui dit que dans les années 30, on appelait au désarmement. La logique. Et donc, il nous sort une, une, une citation de marque. Sous aucun prétexte, les armes et les munitions ne doivent être rendues. Toute alternative de désarmer les travailleurs doit être contrecarrée par la force si nécessaire. C'est une citation qui est sortie d'un bouquin, je l'attendais la citation de Marc qui tu euh, c'est un bouquin, enfin, c'est un extrait de dans lequel il parle des révolutions de 1848 et 1849. Donc on est, on est quand même dans un petit contexte particulier et comme je le disais avant, on avait le passage dans lequel, dans, euh, comment dire, dans euh, la contribution à la critique du droit politique hégélien, où il dit que euh, L'arme de la critique ne peut pas remplacer la critique des armes. Je replace bel et bien la critique des armes. C'est un point important dans le marxisme. La critique des armes, bordel. Que citation de ton pote Marx Pas très très anti-armes. Si la bourgeoisie n'a pas seulement forgé les armes, qui la met à mort Elle a produit aussi les hommes qui manieront ces armes, les ouvriers modernes et prolétaires. Oui. Encore une fois, la critique de l'arme ne doit pas la je la, je la connais pas de tête, en fait. Euh... Ta 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 ta. L'arme de la critique ne peut pas remplacer la critique des armes. Voilà, voilà. Hein? Juste. Juste ça. Après, pas toute la gauche, évidemment. Pour reprendre une citation d'un socialiste célèbre. L'erreur la plus folle que nous pourrions commettre serait de permettre aux races en question de posséder des armes. L'histoire montre que tous les conquérants qui ont permis à leur sujet de porter des armes ont préparé leur propre chute en le faisant. Et ça a bien fonctionné dans son cas. Petite citation d'Alf Hitler, j'adore. Comme dans tous les cas où il y a eu un désarmement des populations civiles, d'ailleurs. Dé Alors, désarmement des populations civiles, euh, le contrôle des armes, il y en a quand même pas mal. Hein, euh, et ça n'a pas forcément amené, comment dire, que des massacres, que je sache. Voilà. Hein, en bleu, c'est les pays dans lesquels on est permissif au niveau des armes à feu. Voilà. Hein. Voilà, voilà. Désarmement par la gauche dans l'histoire, c'est très récent. Historiquement, il a toujours été fait par la droite bourgeoise. Ce qui est normal, vu qu'il y a eu une inversion des valeurs. Et donc une inversion du terme gauche-droite. Comme si vraiment laisser le monopole des armes à l'État et aux criminels, c'était vraiment une idée de révolutionnaire communiste. Sérieux. Et c'est là. Attends, je reviens. Parce que là, là, le mec devient politologue d'un coup. il a toujours été fait par la droite bourgeoise. Ce qui est normal, vu qu'il y a eu une inversion des valeurs. Et donc une inversion du terme gauche-droite. Le mec nous me dit qu'il y a eu une inversion des valeurs et une inversion des termes gauche-droite. D'où tu sors ça, putain Mais d'où tu sors ça Au secours Quand j'entends le mot revolver, je suis ma culture. Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Ouais ben bah oui, c'est complètement ça quoi. Comme si vraiment laisser le monopole des armes à l'État et aux criminels, c'était vraiment une idée de révolutionnaire communiste. Sérieux. Et c'est là le fond du problème, mon petit Usul. T'es autant communiste que moi je suis super saïen. Les communistes de l'époque, dont tu te oh, secours. revendiques, avaient un charisme et de la peau dure. Tu te revendiques d'eux pour te donner une étiquette de guerrier. Mets ton idéologue. Là, on part, dans, on part dans le verdict final. J'y va complètement à l'encontre des leurs. Tu es insoumis, Zul. Autant toujours le, le rapport à la soumission. Tu veux vraiment savoir ça Bah, je, fin, je moi, j'aimerais vraiment savoir d'où ils sortent ces trucs, quoi. C'est, un... je, 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 je... J'aimerais comprendre! <laughs> J'aimerais comprendre! Devant l'État que devant ton amant transsexuel! Voilà, un petit, coup, un petit coup de transphobie au passage, un petit coup de, petit coup de virilisme, tout ça, tout ça. Hein. Moi, je suis rentré dans le BTP à 15 ans, spécialisé charpente. Et... Qu'est-ce que ça vient foutre là? Et pendant que ma problématique du moment c'était de poser une fermette sous la neige sans me péter la gueule, la tienne était de te plaindre que Cyprien t'avait plagié une vidéo sur Pokémon. On est dans le discours de la vraie vie. Hein. Euh, D'un côté, il y a les vrais travailleurs qui ont des vrais problèmes. Et de l'autre, il y a des gens qui sont dans. Euh, bah, re, euh, Marco. <laughs> je croyais que c'était parti définitivement. Euh, de l'autre, il y a des gens qui font rien. Voilà. Qui euh, sont des chômeurs et qui sont des non-productifs. Histoire vraie en plus. Aujourd'hui, je fais essentiellement des déménagements. Pendant que toi, tu essayes de m'expliquer ce qu'est le prolétariat. Ça s'explique. Conscientiser une classe sociale, ça te passe visiblement au-dessus. Alors que t'as jamais fait une gamate de ciment de ta vie. Tu... Parce que faire une gamate de ciment, ça, c'est un vrai truc de prolo. Si t'as jamais fait une gamate de ciment, t'es pas un vrai prolo, ok Je m'étonne que tu me trouves costaud. Je bosse pendant que toi, tu pianotes ton ordi pour garder tes privilèges de bourgeois après t'être fait connaître en faisant des chroniques sur les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est pour les bourgeois. Voilà. Il faut bosser, il faut se muscler, il faut faire du fat, il faut faire de il faut faire de la masse musculaire. Désolé mon usule, mais on n'est pas dans le même monde. Moi je bosse dans le vrai monde et je côtoie des vrais gens, pendant que toi tu te révoltes contre Jean Frollo qui a un fusil de chasse, car tu sais très bien que le jour où il y aura un problème en France, il risque d'avoir une dent contre toi après que tu lui ai craché à la gueule pendant des années. Il a jamais craché à la gueule de qui que ce soit. Juste on dit que tu dis de la merde, mec. C'est tout. Parce que factuellement, quand on va chercher à décortiquer ce que tu racontes, bah, il a rien. Juste rien, en fait. Il y a juste un tas de merde. C'est. Le mec dit qu'il vient du vrai monde des vrais gens, des vrais gens qui veulent tirer sur des menaces de 150 coups de tout partout, par jour, sortis de. grosso modo, nulle part. Encore une fois, le mec a complètement. Réinterpréter le pro, et encore une fois, pardon, le mec a complètement réinterprété le propos d'Usul pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas et monter deux camps entre Jean Prolo d'un côté et Usul de l'autre. On est complètement, oui, surtout que Jean Prolo, Prolo connaît même pas Usul, oui, potentiellement, oui. Euh, on est complètement dans la construction d'un homme de paille parce que ce guignol a pas compris que Usul parle des prolos en fait. Qui parle complètement des propos. Du, du coup, comme il ne comprend pas le propos d'Usul, c'est lui qui va venir dégager une binarité qui n'existe pas pour s'en servir de cible en en reconstruisant une autre. Et du coup, on est complètement, enfin, on est complètement dans un homme de paille quoi. C'est euh, pour faire une analogie, c'est comme si, euh, comment dire? C'est comme si un mec proposait des, des, des stages d'entraînement aux situations tactiques armées, en à feu, en proposant de... une mise en situation de tir à la carabine, en fait, foraine. Voilà. On en est là. Pistolet à eau, quoi. Sur des cibles en carton. Juste. Il n'y a rien qui tient. Rien qui tient. C'est gros qui défendent leurs privilèges de de mecs blancs qui se branlent dans des chaussettes et qu'ont des tiroirs à la pisse parce qu'en en fait euh, ils crachent sur les meufs parce que ils pignolent sur des des, des trucs non c'est des grosses merdes tu ne me souhaites pas un monde en paix mais juste couvrir tes arrières et ça comment dire et que du coup se dénier est... oui désolé pour la vulgarité il m'énerve mais moi aussi il m'énerve hein, c'est euh... il fait sous quatre connards une généralité mais clairement clairement on... enfin c'est je suis désolé, mais c'est mon propos aussi, il hein, n'y a pas de problème. C'est confortable, hein, mais, mais il est, euh, il est lâche, voilà, il est dangereux, il est irresponsable. Ouais, voilà. Bref, sa vidéo dure 15 minutes, mais il se répète tout le temps. Il dit au moins 30 fois le terme « extrême droite », pour bien rappeler que c'est lui le gentil dans l'histoire, et nous les méchants. Non, c'est surtout que c'est son sujet, en fait. Mais ça, c'est ce que t'as pas compris. Il n'arrêtait quand il y tient et il revient constamment sur les mêmes points. Donc, petit résumé. Si vous avez une arme à feu achetée légalement ou un t-shirt de prolo, vous êtes directement d'extrême droite, quel que soit votre milieu social. Non, mais le milieu social ne veut pas non plus dire que tu ne puisses pas être d'extrême droite ou que tu sois forcément de gauche, même avec un joli t-shirt magique. L'extrême droite est le danger numéro 1 en France, vu qu'il y a trois faits divers commis par des types classés d'extrême droite et qu'un type est mort en bouffant une plante toxique pendant un stage de survie. D'où ça sort quoi. Ah, pardon, on dit pas fait divers quand c'est un blanc, on dit terroriste radical. Mais à coup de pas. Usul et son pote se sentent communistes révolutionnaires. Et ce, malgré une idéologie et un physique qui va complètement à l'encontre de cette idée, et des subventions qui pourraient donner de sérieuses questions sur leur impartialité. Voilà, voilà je mets la vidéo en description pour ceux qui voudraient aller y jeter un oeil. C'est tout ce que j'avais à dire sur Usul et tous ceux qui se sentiront visés. Fin de la vidéo, cassez-vous. Voilà, voilà. Donc, on est sur du. Euh, si t'es pas déménageur ou que tu tra... ou pire que tu travailles dans un journal subventionné, enfin prétendument subventionné, euh, t'es automatiquement un bourgeois qui habite dans une villa sécurisée. Et euh, voilà. Et ben, on est, on est bien, on est bien, on est bien. Le mec comprend juste pas que euh, la révolution c'est aussi quelque chose qui se fait, qui se joue sur le plan des idées. Et euh, je dirais même en premier lieu sur le plan des idées parce que bah, sinon, on, sinon on tombe dans des situations qui sont complètement autoritaires en fait. Et euh, enfin dans des situations pardon où ce sont les autoritaires qui prennent le pouvoir. Alors je sais que c'est ce qu'il aimerait lui, mais euh Mais si on réfléchit pas à là où on va et à la façon dont on fait les choses, clairement, euh, ça devient, euh, ça, ça devient rapidement, euh, ça, 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 ça vire rapidement au, bah ouais, au fascisme ou à l'autoritarisme quoi. Bref, euh, si tout ce qui est subvention euh, correspond à de la corruption, bah je l'invite à aller cramer sa carte vitale et arrêter d'emprunter les routes bitumées par l'État pour faire ses déménagements. Peut-être qu'il aura euh, un peu plus de mal à euh, comment dire... à faire ses déménagements. Ceci dit, ça va le muscler. Ça, c'est à peu près certain. Bref, le physique... Oui, le, le physique de ses idées, la pertinence, oui, toujours. Mais je sais pas, parce que pour le coup, j'ai pas l'impression d'être un soy-boy. Et pour le coup... Je, ne dois pas être un vrai gauchiste parce que euh, je fais pas, euh, je, je fais pas 60 kilos quoi. Bref, je sais pas, je comprends pas. Moi je. Et pourtant j'ai les cheveux longs. Il y, y a, rien qui va. Il n'y a rien, rien, rien qui va. Bref, bref, bref. Euh, eh ben, j'ai fait 2h35. Je m'attendais à faire à peu près ça. Euh, du coup, bah merci de m'avoir, euh, merci d'avoir suivi mais euh, cette petite, euh, ce petit débunkage. Il euh, y a une vidéo que je voulais mettre en conclusion, mais que je vais pas, euh, que je vais pas dégainer. Je la mettrai dans les sources. Je la mettrai probablement dans les sources. Quoique, je vais juste mettre la, juste mettre la petite intro. Euh, c'est euh, Isabelle Sommier euh, dans un entretien encore chez ce canard gauchiste de Mediapart. Donc là, pourquoi t'es passé comme ça D'accord, ok. C'est pas ce que je voulais faire. Euh, ça, ça, ça. Voilà, voilà. Transition, tu transitionnes oui ou pas Voilà. Vous identifiez une évolution assez saisissante dans ces cinq dernières années, avec une décrue dites-vous des violences imputables aux groupes de droite et plutôt une crue euh, des violences imputables à des groupes de gauche avec chacun des causes quand même très très distinctes euh, très, très, distinct, très différentes. là on est dans quelque chose de très très comment dire beaucoup plus subtil que ce qu'il propose oui j'aurais défoncé l'écran oui j'avoue que j'ai du, du, du mal à pas défenestrer l'écran des fois oui, alors je vais un petit peu nuancer, hein, parce que si on voit, si on, on regarde donc les, la trentaine d'années, hein, donc de 86 à aujourd'hui, le changement, il est effectivement, il est net, c'est-à-dire qu'en début de période, c'est sur, sur le spectre idéologique, hein, euh, c'est vraiment l'extrême droite qui l'emporte, si je puis dire. Alors que sur la période la plus récente, c'est effectivement euh, l'extrême gauche, dans des modalités différentes, effectivement, puisque les uns, l'extrême droite très clairement ce sont des agressions hein, qu'ils privilégient mmh. hein, pour là aussi une retenir... hein, dites. pour retenir un seul chiffre 70% des faits d'agression de toute la base hein, de toute la base ont été commises par des groupes d'extrême droite et ça ça a été véritablement une découverte de cette base alors aujourd'hui on parle enfin de l'extrême droite hein, mais il y a quand on a commencé on ne parlait que du djihadisme etc on voit là que c'est une violence qui est passée sous les radars pourquoi ouais. Bah parce qu'en fait, d'une part, ces agressions, elles, elles courent tout au long de la période. Elles ont deux motifs à 70% altérophobes. Les donc altérophobe, la peur de l'autre. Hein. Euh, Quelqu'un jugé, basané, etc. Hein, alors que les violences antisémites qui étaient très fortes dans les années 80 sont euh, vraiment maintenant minimes du côté de ce spectre politique. Hein, euh, et puis à 30%, c'est de la vengeance qui les anime hein, contre des militants antifascistes, contre des militants antiracistes, etc. Je, 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 je fais une pause un peu sur, sur cette question de la, de la droite. Alors, extrême droite, ultra-droite, il hein, y, y, y a plusieurs termes en circulation. Je ne sais pas quelle est votre, votre religion. Euh... Euh, Là-dessus, vous, vous utilisez un peu ultra-droite dans le livre, mais en prenant des, des précautions. Mais en l'occurrence, on a passé un article dans, dans Mediapart, hein, Marine Turquie et Mathieu Suc, qui ont montré, enfin, qui ont révélé un, un rapport du Parquet Général de Paris, qui identifiait hein, qu'il y avait des groupes d'ultra-droite, donc, dans, dans leur formulation, de plus en plus organisés, obsédés par la guerre civile interraciale. Est-ce que cette dynamique-là, cette inquiétude-là, euh, euh, voilà, euh, identifiée par les pouvoirs publics, est-ce que vous, vous avez pu le repérer dans vos bases de données Oui et non. Oui et non. Euh, si la gauche apparaît euh, champion, si je puis dire, depuis quelques années, c'est parce qu'elle est très visible dans, le, dans les affrontements hein, et dans la dynamique immeuble que, que connaissent, par exemple, les, les manifestations. S'agissant de l'extrême droite, euh, très clairement, depuis euh, 2015, il y a une partie des activistes de ce pôle de droite hein, qui est convaincu que euh, une nouvelle guerre est déclarée a été déclarée à l'échelle internationale transnationale plutôt par les islamistes ou que se rejoue la fin de la guerre d'Algérie. Mmh. D'ailleurs, un des groupes qui a été démantelé qui préparait des attentats en hein, 2017 s'appelait OAS. Donc, vous voyez. Mmh. Alors nous, on le, on le repère pas en tant qui, que tel ouais, parce qui que c'était déjà l'armée secrète hein, pendant la guerre d'Algérie voilà. qui faisait des attentats. Donc, et que... Ça, nous, on le repère pas parce oh. que nous on, on repère des faits qui ont eu lieu. Euh, ces six projets d'attentats qui ont été de, de l'extrême droite hein, ont été euh, interrompus juste avant de passer à l'action hein, par les services de renseignement. Hein, donc, euh, euh, donc, ils ne figurent pas dans la base, parce que par définition, ils ne sont pas passés à l'acte. Hein. Euh, mais il y a vraiment cette idée hein, qu'il euh, il faut organiser la résistance, hein, d'où les accointances avec euh, le survivalisme, par exemple. Hein, euh, bon. On retrouve le survivalisme. Euh, ce que l'on voit, nous, euh, très nettement dans la base, hein, c'est l'importance de ces agressions hein, euh, Alors, donc, et leur létalité. Hein. Je disais tout à l'heure, 70%, presque 70% des, des victimes sont dues aux djihadistes. Mais c'est tellement énorme que ça écrase, cette, cette statistique, elle écrase. Donc si on retire en fait les, les djihadistes, si je puis me permettre, enfin les morts provoquées par les attentats djihadistes, qui sont tout à fait particuliers, hein, et qu'on en reste euh, aux indépendantistes… Euh, au pôle euh, idéologique, hein, parce que fort heureusement il n'y a pas de victimes dans les conflits du travail ou euh, euh, chez les animalistes, etc. Hein. Là, on a euh, un, un regard, le regard est complètement différent. 58% des, des victimes tombent des mains des indépendantistes, Corse en particulier, en hein, premier chef. Mais comme pour les Juifs radicaux, c'est souvent des règlements de compte internes. 40%, presque 40%, c'est l'extrême droite. 40 et euh, la létalité de gauche c'est 4 mmh. euh, et c'est exclusivement ou quasiment exclusivement action directe qui apparaît oui, ce qui, est euh, qui, est, ouais. qui est ancien hein, et, alors ouais. du coup je reviens sur ce qu'on disait vous me disiez l'extrême droite effectivement responsable utilise surtout l'agression en termes de violence politique euh, l'extrême gauche elle utilise quoi comme, comme moyen privilégié si j'ose dire alors euh, l'extrême gauche ce sont les affrontements manifestations hein, le plus souvent hein, où entre militants d'extrême droite et militants d'extrême gauche hein, euh, et puis surtout surtout les dégradations et les destructions voilà hein, euh, alors les cibles privilégiées dépendent des sous-familles hein, les autonomes euh, cibles euh, à peu près de façon à peu près équivalente hein, si on reprend la distinction altusérienne des appareils idéologiques d'État, etc., etc. Les autonomes, c'est les appareils répressifs, hein, les commissariats, etc. Les appareils éventuellement administratifs, hein, préfectures, ce genre de choses. Alors, les anarchistes, c'est différent, hein, parce qu'ils s'attaquent plutôt par des destructions ou des dégradations aux lieux de culte, enfin aux églises, alors que les autres lieux de culte qui sont euh, visés, hein, qui sont les mosquées, ça, ce sont les identitaires. Voilà, voilà, tout ça pour dire que euh, la violence d'extrême droite, elle a quand même. Enfin, euh, quand on enlève le djihadisme qui représente 70% des, euh, de la mortalité des actes violents, euh, bah, on a quand même une belle, euh, une belle proportion de, des violences d'extrême droite. Et une absence quasi complète de euh, la mortalité, de la létalité euh, des violences d'extrême gauche, parce que les modalités de d'action ne sont pas du tout les mêmes. Et comme personnellement, euh, 12% total, donc euh, 12% du oui, ça représente 12% du 70%, oui ça, oui, ça doit être à peu près ça, effectivement. Mais euh, après, tout dépend si on considère le, euh, les attentats des djihadistes comme étant d'extrême droite, auquel cas, bah oui, 60-40%, 30%, effectivement, oui, c'est ça, bien vu. Euh, le djihadisme qui est une violence d'extrême droite également, et ça c'est euh, le stagirite qui l'avait, euh, qui l'avait enfin, bien euh, bien remis dans le Paysages, bref, merci pour le soutien, merci pour les follow, merci pour les sources, etc., etc., etc. Je remets tout ça très bientôt sur YouTube. Euh... Avec toutes les sources qui vont bien, je ferai un thread sur Twitter qui va bien parce que j'ai plein plein de j'ai plein, plein matières comme vous avez pu le voir. Je sais plus j'avais j'avais une trentaine d'onglets euh, plus d'une trentaine d'onglets ouverts. Euh, et puis voilà, à la prochaine, à mardi prochain, à tout le moins peut-être entre temps. Euh, en Irak, les, Syri, les victimes des djihadistes sont essentiellement musulmanes. Oui, tout à fait. Mais là, je crois qu'on parle des violences politiques en France en l'occurrence. Euh, c'est un sujet. Euh, les, les victimes du djihadisme sont principalement musulmanes euh, dans le monde, en tout cas. Et ben, bienvenue qui, qui arrivent, bien, bienvenue aux gens qui arrivent. Bienvenue aux gens qui ont subi, euh, enfin qui ont pris un abonnement aussi. Ça me fait, euh, ça me touche vraiment. Et euh, à la prochaine, je vous envoie en raid chez Jacotte parce que euh, Jacotte c'est le bien. Et euh, elle parle de l'amitié homme-femme. Euh, si je ne m'abuse, ouais, c'est ça, amitié homme-femme. Pourquoi ça coince Déconstruction dit déclaquer au sol. On est encore dans de la déconstruction. On est encore dans euh, de, du gauchisme, du turbo-gauchisme expliqué euh, aux gens qui n'ont pas forcément les références ou quoi. Et euh, c'est très cool. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. À mardi prochain. Et peut-être dans la semaine, je sais pas, je verrai. Ciao!